Parce que j'avais l'idée de faire une heure de présentation rapidement et puis les autres une heure pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse faire des questions-réponses. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions et pour que l'on réponde à certaines questions. Donc je serai un peu rapide avec ça puisqu'on a perdu un peu de temps, compte tenu de. Voilà. Et voilà. Donc moi, je m'appelle Nswadi. Nswadi Kimbazi. Alors Kimbazi, dans ma langue, ça veut dire ange. Donc je suis le fondateur de l'école Initiatique Ubuntu. Je viens d'une tradition africaine qu'on appelle la tradition Kombo. On va en parler tout à l'heure là, je vous explique un peu ce que c'est, en détail un peu, et puis vous allez voir. Donc, effectivement, alors, Noé, là maintenant tu dois appuyer pour qu'on avance avec. Ou bien, alors là, je peux me mettre là-bas, non, je peux parler pour que vous suivez. Vous voyez? Non, là, c'est bon. Ok, ben Noé. Hein? Je suis fait un signe. Je fais mon signe. Okay. Voilà, donc voilà, bonjour à tous et tout. Je peux continuer. Voilà. Alors, on va commencer par. Je serai un peu. Je pense que certaines personnes. Ce que je vais faire, ceux qui sont à l'école, ils vont tout déjà savoir un peu comment ça fonctionne. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est notre galaxie. Et là, vous avez notre système galactique, la Voie lactée. Et en fait, c'est un merveille parce qu'en effet, nous faisons partie de quelque chose de très grand, très grand. Et parfois, on oublie que c'est grand et c'est beau. On oublie parce qu'en effet, on raisonne en termes planétaires, on raisonne en termes continentaux, et puis on oublie qu'on vit dans quelque chose qui est très complexe et très grand. Et donc, ça fait que lorsque vous voyez le système ici, je vais faire une petite représentation, vous avez là, le point que vous voyez là, c'est notre système solaire, notre maison. Alors, souvent lorsqu'on raisonne, on se perd un peu parce que on oublie que nous vivons dans ce petit point et à d'autres points. Et ça, ce n'est que notre réalité, notre système galactique. Il y a des milliards de galaxies. Et souvent on oublie ça. Et donc on raisonne ici sur Terre, on dit ouais, bon, on va sauver le Congo, on va sauver la planète. On oublie que nous sommes dans un système très grand. Et nous oublions aussi que les anciens qui nous ont précédés avant ont travaillé sur ce système que vous voyez là, contrairement au système que nous avons tous appris à l'école, qui est le système où on nous dit que la Terre tourne autour du Soleil. Mmh. Alors que ça, il faut jeter à la poubelle, c'est faux. La Terre n'a jamais tourné autour du Soleil, circulairement. Mais c'est spiralement. Parce que le Soleil court dans l'univers. Et donc, les planètes suivent le Soleil. Et c'est ça là, cette notion-là, qui explique ce que nous on appelle Kekoro, le fameux Ntangu. Ntangu chez nous sur le soleil. Et dans la tradition Congo, alors, il faut que je précise quelque chose, vous allez constater que les langues que nous parlons, les Kekoro, les Ngana, le Swahili, toutes les langues que nous parlons en Afrique ou dans le monde, ce ne sont pas des langues. Alors ça aussi, il faut oublier. Ça n'a jamais été des langues, ce sont des codes. Alors on se pour ça que ce sont des langues. Parce que, après 4 siècles d'esclavage, on est devenu robotisé, et nous pensons que ce sont des langues. Et donc, le Kikongo fait partie d'une masse des langues, comme d'autres langues en Afrique, qui sont codées. Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille, donc depuis que j'ai lancé l'école Kikongo, en cherchant le décodage de la langue, de ma langue dans la tradition de laquelle je viens. Et il y a d'autres personnes dans les familles qui sont à l'école, qui travaillent dans leur langue également, pour comprendre en fait que ce que nous appelons langue ne sont pas des langues, ce sont des codes. Et donc, il y a des mots que nous prononçons qui peuvent nous détruire. Mmh. Et ça, on ne se rend pas compte. Je prends l'exemple, parce que les gens qui parlent Lingala ici, qui est une variante de Kikongo. Quand nous disons Kikongo en Lingala, par exemple, Ngayi, tout le monde dit je, moi. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en effet, tu viens de dire Nga. Le Nga de ma langue, c'est l'énergie vitale consciente du cosmos.
Ça veut dire que l'énergie la maîtrise. Voilà pourquoi les initiés chinois les appellent les Nga Nga. Les êtres qui ont double fois maîtrisé l'énergie du Nza, du cosmos. Et quand je dis Yi, dans ma langue, c'est le feu divin. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez je maîtrise le feu d'Horus. C'est ce que je vais tenter de dire en fait. Mais moi, je maîtrise le feu de Dieu. Et puisque la vocalisation énergétique crée la réalité dans laquelle nous vivons, nous nous autodétruisons. Et ça, on ne se rend pas compte. Donc, nous parlons très mal nos langues. Très très mal, nous prononçons des choses qui nous détruisent. Et après, on se tourne, et pourquoi la vie ne marche pas? Pourquoi je tombe malade? Je t'empoisonne énergétiquement en prononçant des termes qu'on ne peut pas prononcer. Voilà pourquoi il y avait des traditions chez nous, des écoles qui contrôlaient ça. Donc, il y avait des langues, comme chez nous, il y avait la langue qu'on appelle le Kikongo. Mais les gens pensent qu'au Congo, les gens parlaient Kikongo. Ben non. Kikongo, les gens le parlaient, les gens de haut niveau, les initiés. C'était comme une métalangue. Moi, je viens d'une variante de Kikongo qu'on appelle, ma maman est Bembe. Donc, nous, on appelle Kibembe, on parle Bembe. Qui est une variante de cette langue-là que seuls les initiés peuvent parler. C'est comme des échelons, en fait. Quand tu évolues en spiritualité, tu découvres les secrets de cette langue. Après, aujourd'hui, ben, écoutez, vous arrivez au Congo, les gens parlent Kikongo dans la rue. Et puis, on s'étend ce qui nous arrive. Et donc, ce que nous faisons à l'école, c'est d'essayer de comprendre un peu tout ce mécanisme-là. Que nous avons. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré comment la planète. Alors, tout ça, c'est approfondi, hein, des cours que nous faisons à l'école qui expliquent toutes ces choses-là. Le fait que la planète Terre n'est pas circulaire autour du Soleil, mais est spiralée, ça fait que tout ce qui est dans notre système, qu'on appelle la Voie lactée, est spiralé. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a deux spirales qui existent. Il y a une spirale qu'on appelle la spirale isséphétique. Et okay, tout le monde aime, c'est cette spirale que vous voyez là. Je l'ai mis pour vous faire genre, hein, voilà. C'est ça, c'est tout le monde dit, oh c'est beau, ça c'est du poison. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que cette spirale que vous voyez là vibre à une fréquence qu'on appelle le nombre de Fibonacci, le nombre d'or, le fameux 1,618. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a perte d'informations dans le 1,618. Mais nous sommes dedans, c'est-à-dire que je lis des livres écrits par des initiés, oh c'est beau, alors que c'est un nombre désordonné. Et ceux qui ont fait des cours déjà à l'école qui m'ont tout savent comment nous expliquons la conservation d'énergie avec le nombre 2. Alors 2, chez nous en Kikongo, ça se dit Zolé. Or, Zolé, comme je vous ai dit, c'est pas des langues en fait, hein, c'est des codes. Il y a le Zo et puis il y a le Lé. Quand vous prenez le Zo dans ma langue, si vous mettez un N devant, qui est la conscience divine, dans notre tradition Kongo, ça fait le Nzo. Or, le Nzo chez nous, c'est la maison, c'est la galaxie que vous voyez là. Et le Lé, c'est en fait la connaissance profonde que l'on a reçue. Voilà pourquoi quand je dis Zolé, je ne parle pas en effet de deux. Je parle du principe d'une réalité duale, mais interconnectée. C'est comme pas comme si on est séparé avec lui. Nous faisons partie d'un système d'interconnexion entre la polarité masculine et la polarité féminine. L'interconnexion. Et ça, voilà pourquoi dans ma langue, pour dire amour, je t'aime, on dit Zola. Et la dualité renvoie à l'amour dans la tradition commune. Et c'est ce principe d'amour inconditionnel qui fait que je ne peux pas détester mon frère parce qu'il est leur projection de moi. Parce qu'on est interconnecté. Et ça, c'est des choses qu'on étudie à l'école encore en détail. Alors, ça, ce que vous voyez là, c'est la spirale. Alors, la spirale que nous avons, nous, l'ADN que vous voyez ici, que nous, on appelle à l'école qui nous le tout, cette structure-là renferme toutes les informations que nous avons. Or, notre structure à nous génétique, actuelle vibre à une fréquence de désordre. Ce qui fait que nous avons perdu nos facultés. Parce que notre ADN, que vous voyez là, vibre à une fréquence iséphétique, si je peux dire avec le langage égyptien pour qu'on se comprenne. 1,618. Nous n'avons plus des capacités, nous ne téléportons pas, nous tombons malades, nous sommes mélanodermes, quoi. Nos ancêtres avaient 4,50 m d'auteur. Alors ça, c'est des choses que vous allez apprendre aussi. 4,50 m. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des nains. Et on ne se rend pas compte, parce qu'on voit le plein au ciel à la même taille que nous. Ah, si vous savez ce qu'on nous a fait subir pour qu'on puisse vibrer à cette fréquence, c'est hallucinant. Et donc, cette structure que vous voyez là, qu'on appelle le code génétique, cette structure dispose de l'attention combo de 15 couches. C'est pour ça que j'ai mis cette image. En fait, notre ADN n'a pas deux couches, il y en a 15. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'Occident se rapproche de la tradition. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux commencent à parler de 12 brins. Et là, je dis, waouh, c'est bon, ça arrive. Et la tradition parle de 15 réalités. Et ces 15 réalités-là sont interconnectées à ce qu'on appelle les 15 dimensions de la réalité.
première dimension que vous connaissez, le monde minéral, le monde végétal, la deuxième, le monde animal, la troisième. Sauf que lorsque vous prenez par exemple le monde minéral, qui est le monde des plantes, à l'intérieur du monde minéral, il y a ce qu'on appelle les 12 sous-dimensions. Donc en fait, il y a une structure très intéressante entre la réalité dimensionnelle et le code génétique. En fait, tout ce que vous voyez autour de moi là n'est pas à l'extérieur de vous. Et ça, vous allez l'apprendre pour ceux qui vont s'y intéresser en profondeur, parce qu'en effet, l'image que vous percevez se crée à l'intérieur de votre tête et non pas à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Mais ça, il faut l'étudier pour comprendre cela. Et puis, avec des techniques, avec du Reiki, avec du yoga et tout ça, pour comprendre ces réalités. Et donc, ce qui fait que toutes nos informations, toutes nos capacités physiques et spirituelles sont stockées dans l'ADN, dans le tout. Tout. Tout est dans la base de données. Ça veut dire que si vous voulez être intelligent, il suffit de toucher ça. Si vous voulez être rapide, efficace, faire tout ce que vous... Il faut toucher cette structure qu'on appelle le tout d'attraction pour vous. Voilà pourquoi chez nous, l'être humain, on l'appelle Mutu. On est dans la Mutu. En fait, le Mutu, dans notre tradition, il y a le Mutu qui est l'incarnation de la conscience primordiale dans le Mutu. Le Mutu, ce n'est pas la tête. C'est aujourd'hui appelé la tête par abus de langage. On a été frappé, c'était grave, mais bon. Et donc la tête, depuis les anciens, est appelée Mutu parce que la tête est le centre de traitement des informations génétiques, cellulaires. Et donc, chez nous, dans la tradition Kogbo, aujourd'hui, les cellules, comme vous constatez, on les appelle les pincelia. Et à l'intérieur des cellules, il y a 6 dimensions. C'est ça les dimensions qu'on a étudiées à l'école. Hein. Et donc, le Mutu que vous voyez là réside dans exactement la 4e dimension cellulaire. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à partir de là, vous comprenez que nous, les mélanodermes, nous, les, comment dire, les canites, tant que nous n'allons pas comprendre que la chose à faire, c'est la restructuration des bases de données, notre base de données informationnelle, on peut méditer du matin au soir. Ça ne va rien changer. Là, vous allez dire, on médite, hein? Hein? On médite, on médite, on médite. Quand vous arrivez en Afrique, quand l'Occident arrive, il frappe encore. Hein, comme d'habitude. Et on, malgré les initiés. Parce qu'en fait, le problème, nous l'avons perdu. C'est qu'en fait, c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut soigner. Il faut d'abord soigner cette structure cellulaire qui nous constitue, et après, nous aurons des facultés qui vont se développer. Donc, à partir de là, c'est là où le karmité intervient. Alors, le karmité, vous voyez, c'est le kimuntu. Bon, ça vous rappelle un peu kamite, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Alors, ça, c'est des choses que vous allez étudier. Alors, il faut que je vous précise quelque chose aussi en passant, c'est que la tradition d'école kimuntu, ce que moi je fais, c'est que je suis en train de vocaliser les médunétaires, ce que vous appelez, en fait, ce qu'on appelle médunétaires en kikongo, avec l'aide de papa Robert Nicolo, qui en travaille dessus, et c'est impressionnant. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, rien à voir. C'est comme lorsque vous prenez par exemple un mot, je crois que le mot Nout. Ah, on est content, Nout, la déesse du ciel, la voûte. Alors Nout, dans la tradition kongo, tu dis exactement comme on le dit en égyptologie. Sauf que chez nous, nous disons Mutuni, la voûte céleste. Mutuni. Alors, je pense que vous avez compris que tout à l'heure, je vous ai montré le Mutu, qui est la base de données. Or, quand vous prenez Mutu en kikongo, dans la vocalisation, vous avez le N, la conscience divine, le T, l'ouverture énergétique, et le U, l'énergie féminine qui enfante. Voilà pourquoi chez nous, la maman s'est dit Mutu. Donc, quand vous dites le Mutu, et que vous faites ce qu'on appelle l'anagramme de ce mot Mutu, le T avant le U, vous avez le note des égyptologues. Alors, je suis un peu comme là. Et je comprends ce que ça veut dire Mutuni. Et note, parce que quand je prends Mutuni, qui est la voûte céleste dans la tradition kongo, et je l'inverse, j'ai Nitu, le corps humain. Mais c'est formidable. Ça veut dire que les anciens savaient que le corps humain est la représentation de la voûte céleste, bien sûr. Nitu, le corps humain, Mutuni, voûte céleste. Alors là, je vous simplifie, hein, parce que je pense que ceux qui étudient à l'école qui vont dire, c'est simple, que le N, on étudie en détail, c'est voilà. Mais bon, puisqu'on n'a pas trop de... Il faut que j'avance un peu là. Alors, ce que vous devez saisir, c'est que je vous ai fait un petit résumé pour vous expliquer rapidement que dans la tradition, il y a deux types de lumière. Donc, vous allez voir, c'est un exemple que j'ai pris souvent pour vous éclaircir sur quelques points. Et la lumière que nous voyons, la lumière qui nous permet de voir les réalités, nous on l'appelle le Kia, le Kia que vous voyez là-bas. Et il y a une lumière originelle que nous on appelle le Témon, qui est différent de cette lumière. Alors, le Kia, je l'ai représenté ici, c'est cette, que ce soit sur Internet, pour vous expliquer comment, en effet, la lumière divine, comment elle s'incarne dans notre réalité, qui est la troisième dimension, elle traverse d'autres réalités, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres.
Et quand elle arrive dans la troisième dimension, elle se fragmente. Et quand elle se fragmente, elle se transforme en plusieurs ondes, pas couleurs. Alors, vous allez comprendre une chose, c'est que les couleurs que nous observons ne sont pas les objets observés. Pourquoi ? Parce que c'est l'œil humain qui nous permet de voir les couleurs. Les couleurs ne sont pas, on ne dit pas pantalon rouge. En fait, ce pantalon, vous voyez, vibre à une certaine fréquence. Et cette fréquence interprétée, par nos yeux, là c'est l'homme, là je parle de nez, c'est comme ça qu'on appelle en traitant comme mot. Tu veux quand je viens de l'homme. Alors, c'est bon. Cette onde interprétée par l'œil humain fait que le cerveau dit rouge. Rouge n'est pas dans l'objet. Alors ça c'est un peu difficile aussi, parce que souvent les gens me disent, comment tu peux dire que c'est pas blanc? Mais non, ce sont des ondes. Et puisque ce sont des ondes, on ne porte pas n'importe quoi. Tu mets n'importe quelle couleur sur toi, tu te détruis. Et les anciens le savaient. Alors nous, on a perdu cela. Bon, on se met n'importe quoi, fashion, machin, là. Après, on a mal. Alors là, je suis encore bien avec les couleurs, mais aussi les formes géométriques. L'habit qui a certaines formes détruit le champ morphogénétique, le oui, soit sinso, du monde, de l'être humain. Ça veut dire qu'on a tout à revoir. Notre manière de s'habiller, les vêtements qu'on doit mettre, les couleurs qu'on doit mettre, le jour qu'on doit mettre ces couleurs. Vous voyez, donc en fait, on nous a dépossédés de ça, mais les anciens le savaient. Et pour cela que l'école qui nous veut ramener ces choses-là. Continue. Et donc, reviens, s'il te plaît. Voilà, là ce que vous voyez, là c'est le spectre de lumière. Le spectre de lumière, c'est quoi? Quand vous voyez la lumière, il y a une partie visible qui me permet de voir les objets. Je vois ce tableau parce qu'il y a la lumière qui tombe ici et qui me renvoie l'information. Si on éteint la lumière ici, on ne va rien voir. Ça veut dire en fait, est-ce que ça existe? C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est une onde. Ça veut dire que quand la lumière tombe ici, ça revient dans mon œil, mon cerveau dit bleu, puis l'autre dit couleur rouge. Mais moi je pense que le rouge est sur le tableau, ben non. C'est l'information traitée par mon cerveau. Toute chose dans l'univers est information. Et ce sont ces informations-là que nous devons commencer à traiter, je veux dire, à étudier. Parce que c'est ça notre problème en tant que mélanodème aujourd'hui. On a perdu la science de l'information. Et donc, on s'intéresse à quoi? Au visible. Parce que nous avons oublié que le visible est dans notre tête. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais soit dit, ouais, tu peux pas dire ça parce que je touche quand même. Je dis, quand tu rêves aussi, tu touches. Tu rêves. Voilà. On peut te taper dans le rêve, tu te remets, tu as mal. Ouais, mais il y a des gens qui meurent même dans les rêves. Bon. Il y a des gens qui sont dans le coma, dans le rêve, il faut aller les chercher par les projections pour les ramener dans le monde. Ça, c'est des choses. Vous voyez, donc, en effet, le monde est plus complexe que ce que nous voyons. Donc, nous, là, les humains, nous ne voyons que ça. Vous voyez ça? En fait, nous sommes des nez aveugles. Des nez, mais aveugles. C'est-à-dire que nous ne voyons rien du tout. En fait, nous ne voyons que 0,5% de la réalité visible. Il y a près de 99,5% d'une réalité qu'on ne peut pas percevoir. Mais que l'on peut percevoir que si on s'intéresse aux sciences secrètes. Eh oui, et ça développe les facultés. Tu veux continuer à nommer, s'il te plaît. Alors, je prends un exemple. Nous, dans la tradition Congo, il y a un principe que nous appelons les Makoko Matatu. C'est le pilier de la tradition Congo, les trois piliers de la tradition. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque vous voyez ce caractère que vous voyez là, qui veut dire en effet, aujourd'hui en égyptien, le Noun. Hein, le caractère du monde, on est étonné de voir le principe commun fondamental du Makoko Matatu. Et là, on a parlé de papa Robert, on a dit, mais les vieux au village, c'est dangereux. En fait, tout le monde dit Makoko Matatu, parce que Makoko Matatu, Tatu, c'est nous, c'est trois. Makoko, ce sont les trois piliers qui constituent la tradition commune. Et ces trois piliers s'expliquent par les trois ans que vous voyez là. Malheureusement, les égyptologues nous ont fait comprendre que ces trois ans-là, c'est de l'eau. Mm-hmm. Alors que ça, là, ça peut tuer quelqu'un. Parce que ça, ce n'est pas de l'eau. Ce sont des nésas que je vous ai montré tout à l'heure, des ondes. Et c'est énorme. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, même nous, aujourd'hui, en tant que panafricains, kamites, je vais dire ça comme ça, nous intéressons à ce que les Égyptiens nous disent. Et nous intéressons par l'Égypte, vu par le prisme de nos propres traditions. Parce que quand vous prenez ces trois ondes-là, les trois ondes ne sont pas mis par hasard. Chaque onde ici a une fonctionnalité bien précise. Noé, tu peux continuer. Par exemple, vous avez ici une onde, je vais prendre ça comme ça pour vous expliquer. Vous avez trois ondes, il y a trois ondes qui existent. Il y a l'onde portée, l'onde long terme, moyen terme et court terme. Alors regardez bien ceci, je vais continuer à le nommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le monde est debout, le monde canalise plusieurs types d'ondes, les trois catégories.
Dans la parole que je vous parle, je suis entouré des hommes. Et si je suis chargé positivement, suite à mes méditations, mes canalisations, et que je rentre dans le métro, et qu'à côté de moi, il y a une personne qui est chargée négativement, mais si elle est chargée négativement, au-delà de mon champ positif, la personne aspire mes ondes, aspire mon champ énergétique. Et là, je me sens empoisonné. C'est ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Mais on s'en fout aujourd'hui. Enfin, alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'on a plutôt l'habitude de se faire même la bise aujourd'hui. On se salue, on se touche. Avant, dans les anciens temps, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Tu peux, même aujourd'hui, tu arrives au cœur du Congo, là, dans les vieux, tu viens pas faire la bise, viens, viens. Les vieux vont dire, doucement, ton champ là, ça détruit mon champ, attention, petit. Mais ça, on l'a oublié. C'est pour cela, quand vous arrivez au Japon, qui est l'une des traditions Congo par excellence, c'est impressionnant. Je pense que ceux qui étudient un peu la tradition japonaise savent que vraiment, il y a une relation entre la tradition Congo et la tradition japonaise. Hein? Donc, par exemple, pour dire samouraï au japonais, on dit bashi, bushi. Et le bushi, donc, que vous connaissez tous, au Congo RDC, les bushi existent au Congo. Le président du Congo, par la vie chez nous, c'est un shi, un bushi. Ça sonne des choses du Congo. Tradition des guerriers exactement comme les samouraïs du Japon. Et quand les samouraïs parlent, bon, nous on a fait des études au Japon, quand tu mets l'oreille en Chine, ça c'est le big boss est là, quand tu mets l'oreille, tu dis, mais il parle ma langue. Mais oui, il parle ta langue. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au Japon, dans le shintoïsme, le bouddhisme japonais, les gardiens de Bouddha, on les appelle les Kongo Rikishi, qui sont des guerriers qui protégeaient Bouddha. Le problème que c'est faux, c'est quoi? C'est qu'au Japon, ils appellent Kongo Rikishi. Ils ne savent pas que les Kongo Rikishi sont au Congo. Jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont fait un peu l'histoire, c'est une parenthèse pour qu'on avance, savent également que quand vous arrivez au Congo, ou au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, la flotte militaire japonaise, c'est en anglais Kongo Battleship. Jusqu'à aujourd'hui. L'armée japonaise est Kongo. Alors moi, je suis en Asie, je dis, oh, mais vous là, le Kongo là, c'est comment? Le problème, c'est qu'on a oublié ça. Le danger, c'est que l'ethnologie nous a fait comprendre que Congo, c'est une tribu. Ah là, c'est l'empoisonnement fatal des Belges et des Français chez nous. Parce que Congo, c'est pas une tribu. Les Congo sont au Japon. Les Congo sont en Afrique, partout. Les Dalton et les Léopards sont dans toute la surface de la Terre. Sauf qu'on nous a fait comprendre que nous, les Congo, en question, nous sommes une tribu. Alors que c'est pas une tribu, c'est une école. C'est pour ça que quand vous allez au Japon, vous souvenez la tradition Congo, les bâtisseurs de tous les temples du bouddhisme japonais, c'est la tradition de l'école Congo, du Japon. Ce qui fait que ça change toute la donne. Mais on devient tribu aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été tribu. Pourquoi? Mais c'est pour ça que vous allez voir chez nous, par exemple, au Congo, par hasard, vous avez une école, moi j'appelle ça l'école, qu'on appelle les tékés. Ils s'habillent en rouge. Et il y a d'autres, comme les Mounza chez nous, s'habillent en noir. En fait, il y a plusieurs types d'écoles comme ça. Et quand j'ai fait une conférence à Paris la fois dernière, j'expliquais aux parents, aux frères, qu'en effet, les différentes écoles traditionnelles que nous avons chez nous en Afrique sont des chakras. Ah, mais là, on vient, mais j'étais pas fait. Mais c'est ça. Ce sont des couleurs liées au chakra. Ça veut dire que si vous prenez exactement ce que l'on appelle l'école qui monte, moi le mot zizi, chakra racine, c'est exactement le travail, le comportement des tékés. Exactement. L'ancrage et tout ça, la danse et tout. Après, nous, on a perdu ça, puisqu'on est devenu des tribus. Et c'est ça qu'il faut réanimer. Et donc, vous constatez que les ondes que nous revenons, les ondes que nous avons là, sont des ondes que nous recevons. Et donc, ce qui fait que, lorsque vous prenez l'œil de l'homme, ensemble, lorsque vous prenez l'œil de l'homme ici, dans l'œil de l'homme, nous avons la présence des cônes. Les cônes sont des structures qui sont ici, derrière, ici, vous voyez là, comme des nerfs en fait. Et on a les trois types. Il y a des cônes qui regroupent les couleurs rouges, il y a des cônes qui regroupent les couleurs bleues, et des cônes qui regroupent les couleurs vertes. Non, tu peux continuer. Et donc, en fait, lorsque les ondes que nous percevons pénètrent la structure de notre œil, vous voyez, il doit croiser les trois cônes. Il n'y en a que trois. On a disséqué l'œil, on a fait ce qu'on veut, on a compris qu'il n'y en a que trois. Trois groupes, il y a des milliards, en fait, dans chaque groupe. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque une onde, l'onde portée, rentre dans l'œil, l'onde du mot Noun pénètre notre structure de l'œil, nous percevons le rouge. Continue, mon esprit. Et donc, la pomme qui est ici, qui n'a pas de couleur, reçoit de la lumière de trois types d'ondes qui tombent sur les particules de cette pomme et qui récupère l'information et qui les transmet à l'œil, et l'œil dit au cerveau, ben pomme rouge. Donc la couleur n'est même pas dans l'objet observé. Alors même là encore, on ne parle pas encore de l'objet parce que ça aussi c'est pas comme ça en fait. Continuez s'il te plaît. Donc
tu peux continuer. Donc vous voyez que c'est moyen, et puis, oui, continuez dans le reste de plein, là on a compris, oui, et puis le cours. Voilà. Et donc ici, à partir de là, par exemple, lorsque vous avez la combinaison, par exemple, du lent et du court, le magenta, et je vois la couleur magenta, et je pense que je vois la couleur magenta. Mais en fait, ce sont des ondes que j'ai captées qui me permettent de dire que je vois la couleur magenta. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les couleurs occupent une place très importante dans tous les domaines. Dans l'alimentation, par exemple. La personne qui mange des aliments qui ne sont pas colorés sont poisons. Mais ça, on ne le sait pas. Voilà pourquoi il faut manger toujours la nourriture avec des couleurs. Je vais dire sauce tomate, hein, comme vous m'avez fait là. Oui, non? Voilà. Donc, il faut s'intéresser à ça. Voilà pourquoi nous avons... Donc, ces sons-là que vous avez vus, en fait, les couleurs, qui sont en fait des sons. Chaque couleur est liée à un son. Et les couleurs, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous ne le percevons pas, qu'est-ce qui se passe? Nous traitons les ondes sous forme de couleurs. Mais ces ondes, une fois en vibration, dans des sons. En fait, les sons sont des vibrations des ondes. Donc, les couleurs, une fois en vibration, dans des sons. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'en effet, quand je vois le noir, on n'est pas noir. On est des êtres qui vibrent à une fréquence. Vous suivez, hein? Donc, si on veut nous empoisonner, il faut créer un vaccin qui vibre à la fréquence en question. Et ça, les gens travaillent dessus, hein, depuis des siècles. C'est pour ça qu'on est même court aujourd'hui, hein, en fait. Parce qu'on n'était pas comme ça avant. La taille, là, des supermobiles, c'était compliqué. Bon. Et donc, les sons que vous voyez là, les harmonicas, sont des manifestations des couleurs. Des ondes, je veux dire. Parce que les couleurs sont des ondes interprétées. Et donc, ça fait que le blanc, le mélanodère, vibre à un son donné. Et le noir vibre à un son donné. Ce qui fait que, en effet, nous ne vivons pas le même son. Voilà pourquoi, lorsque vous nous regardez, on n'a pas les mêmes apparences. On n'a pas la même structure de peau, la mélanine et toutes ces choses-là sont des sons. Tu peux continuer de nous. Et donc, à partir de là, vous comprenez que le son primordial qui est ici, qu'on appelle le nous aujourd'hui, c'est dimensionnalisé, c'est fragmenté. Et donc, c'est parti de cette réalité-là. Ça donne le zolé, le tatou, le ya, ainsi de suite, juste à créer le monde manifesté dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est la troisième dimension, qui est un monde dense, où l'on pense toucher les choses alors que les choses ne sont pas là, comme ça. Et en plus de ça, nous sommes mâles et femelles. Alors qu'en fait, dans la quatrième dimension seulement, dans la cinquième, sixième, il n'y a pas mâles et femelles. Nous sommes androgynes. C'est ce que nous appelons la troisième pour Maungu, l'être androgyne. Alors, continuez, s'il te plaît. Alors, voilà pourquoi j'ai mis cette image-là, pour vous dire tout simplement, en effet, si vous comprenez bien que tout est son, et que tout est couleur, et que tout ce que nous voyons est information, cela veut dire que la planète Terre dans laquelle, l'exemple que nous vivons, n'est même pas solide. Et la Terre que nous voyons n'est même pas ce que vous pensez, parce que la Terre est une planète multidimensionnelle. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons, parce qu'on est disposé, on a 9 corps, et donc nous vivons dans différentes réalités simultanément. Et ça, c'est quelque chose que nous devons reconquérir et travailler dessus. Et parfois, tu t'occupes de ton corps physique présent, mais oui, dans ton corps, tu t'en fous, en fait, parce que tu ne sais même pas que ça existe. Et l'autre qui sait, l'initié qui est entre les deux trous dans ton peuple, lui qui sait, il est content, tu vois, après il est noir, ça c'est bon, on s'est occupé d'eux, là on s'occupe des pierres maintenant, parce que eux là, c'est bon. Parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que nous sommes, réellement. Et ça, c'est des choses que nous devons reprendre, en effet. Il faut que quand tu manges, quand tu vois ton petit pain, tu te dis, le pain là, il a 9 corps. Donc moi je mange physique, et puis le nitungi, qu'on appelle le corps éthérique, doit manger. Le nitu tambo, le corps astral, doit manger. En fait, il faut se nourrir aux 9 dimensions. Et donc la planète Terre que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons, nous en Kikongo, un kinsono. C'est un hologramme. Là où nous sommes ici, c'est une projection holographique. En fait, nous sommes que des images. Et les consciences qui habitent ces réalités-là que vous voyez là, sont dans la quatrième dimension. Et notre âme, qu'on appelle Mouéla, par exemple, qu'on voit, vibre dans la cinquième dimension. Alors ça, c'est une chose qu'on étudiera, je pense que... Bon. Donc vous comprenez en effet que les choses deviennent plus intéressantes. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, si je ne suis pas dans ce corps, et que je suis ailleurs, comment je fais pour contrôler ce corps? À la bonne question. Et c'est là où l'initiation commence. Parce qu'en effet, on nous a déconnectés consciemment la prise de contrôle de ce corps. Alors, je vais vous dire, chaque nuit lorsque nous dormons, là, par exemple, on va rentrer, on va dormir, où personne de cette salle dort dans son corps. Et dormir de son corps ne veut pas dire à la manière où le corps est comme ça et puis on rentre dans le corps. Ah non. Nous sommes composés de 100 000 milliards de cellules. Et nous sommes dans chaque cellule du corps. Ah, c'est ça qui est formidable. La structure fractale du corps et tout ça, bon, on étudie ça quand on étudie le corps humain. Oui, on avance. Voilà pourquoi j'ai écrit ici-là que dans la tradition congolaise de l'école initiatique Kimondo, l'être humain n'a qu'un seul objectif sur Terre,
c'est d'expérimenter ce fameux mot qu'on appelle l'ozingu, qui est la vie. C'est un mot qu'on étudie en profondeur les Kwakimundo, dans le but de faire le kunaka, l'ascension. Et l'ascension est la connexion du monde, de l'être humain à ces différentes réalités, pour devenir complet, pour devenir un, disons, parenthèse, un éther, pour qu'on se comprenne bien. Et ça, on l'a oublié, parce que nous pensons que la réalité, c'est de vivre ici. C'est comme si tu étais en prison, en fait, et puis tu devais consommer ma maison en prison, quoi. Moi, tu devais le gangster de la prison, c'est ce qu'on fait, hein. On devait être gangster de la prison. Et les gens ont essayé, hein. Vous en faites pas. Et alors, par exemple, tu vois, donc, on va pas s'occuper du monde. Tu dis, attention, faut faire très attention. Les anciens, en parenthèse, Kamites de l'Égypte pharaonique, étaient plus avancés que nous. On les a fracassés. Souvent, nous, on ne fait pas attention. J'entends les gens dire, ouais, il faut qu'on redevienne pharaon, il faut. Pourquoi je suis calme, je dis, oh. On les a fracassés, quoi. Il faut se demander la personne qui nous a fracassés, avec quelle force. Si nous, on est inférieur, on est incapable de comprendre la géométrie sacrée. Utiliser la période pharaonique, aujourd'hui, on est incapable de comprendre comment ils fonctionnaient. Mais on se dit quand même que non, on doit revenir comme eux. Mais eux, on les a tapés. On les a tapés, on est tout comme la terre aujourd'hui. Ça veut dire qu'en effet, il faut que nous pensions au-delà des Égyptiens. Vous voyez, à la pensée des Égyptiens, ça demande une connaissance, mais énorme. Et ça dit que il faut mettre un peu de manger, quoi. Il faut rentrer dans le respirationnisme. Il faut devenir. Voilà. C'est pour ça que je dis aux gens, tu fais de la spiritualité, oui. Tu fais de la spiritualité, oui. Ah, mais quand il vient de la cuisine, c'est le poulet qui l'attend, en fait. Et en plus, il est content, il mange. Mais il a oublié une seule chose, c'est que manger, c'est télécharger de l'information dans ses cellules. Et ça nous pourrit la vie. Et après, il est content. C'est comme, en fait, la spiritualité, oui. La spiritualité, oui. Mais quand il sort, quelqu'un a faim juste à côté. Bonjour. Non, mais rien. En fait, il sait la spiritualité. Sa spiritualité, c'est l'égoïsme caractéristique. De sorte que la spiritualité, c'est le développement personnel. Alors, j'aime pas ce mot. Il faut que je vous précise déjà. C'est l'arnaque du siècle dans lequel nous vivons. Développement personnel. Ça veut dire que. Je suis égoïste. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Comprenez-moi bien. C'est comme une maman qui va à l'église, en fait, excusez-moi, qui va méditer, hein, éviter les problèmes, et qui, en effet, est en train de prier à son Dieu, et qui dit, Dieu, donne à mon fils son doctorat, ou disons son diplôme d'état, ou bien son baccalauréat. Donne à mon fils son... En fait, elle est tellement égoïste qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de dire au créateur de l'univers que donne à mon fils le poste là, le poste de boulot. Oui, il n'y a que deux personnes qui sont dedans, mais une seule personne qui veut. Mais moi, je veux que tu donnes à mon fils. C'est-à-dire, elle doit dire à Dieu, ne donne pas l'autre. Vous suivez? C'est comme quand vous méditez, vous dites, oh, donne-moi la santé. Mais t'es tellement égoïste. En fait, l'autre, ton... En fait, tu demandes... C'est ça le principe. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous pensons que la spiritualité, c'est moi. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est ce que nous faisons en fait. Nous nous développons, nous, et les autres, on s'en fout un peu. Voilà pourquoi il faut comprendre que la tradition nous précise que la spiritualité, c'est la connexion au tout. C'est-à-dire que la spiritualité, ce n'est pas « je veux m'émanciper ». La spiritualité, c'est « nous devons nous émanciper ». Et la spiritualité, c'est être au service de l'autre. Celui qui fait la spiritualité doit être au service de l'autre. Parce que c'est la seule et unique spiritualité matière qui existe sur cette planète. C'est l'autre. On a oublié ça. Voilà pourquoi la personne Congo, pour dire l'autre, on dit mpa ngi. Et le mpa dans ma langue, c'est le don. Et le ngi, c'est l'éther, l'akasha, hein, du monde oriental. Le ngi, c'est la fusion des quatre éléments que nous connaissons, l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est-à-dire que je suis en train de dire, quand je dis à Papa Robert, mpa ngi, je suis en train de dire, c'est le don divin qui m'a été donné. C'est-à-dire que j'existe parce que lui, il est. Ma spiritualité, c'est son émancipation. Oh, ça, on a oublié ça, même ça, l'espérance. Je fais le débat personnel. Je médite, mais je suis égoïste en plus. Je médite, mais je ne partage pas. Je médite pour moi, pour ma santé, pour mon enfant, pour ma vie. Mais tu te rends compte que tu es en train de parler je. L'ego. Troisième chakra qu'il faut équilibrer, nettoyer, afin de permettre au monde de pouvoir s'émanciper, de pouvoir. Voilà. Tu ne sais pas m'arrêter. C'est moi que je parle comme ça, c'est comme. Alors, donc, en fait. Un mukongo, un mot qu'on va étudier en détail, est un être qui aspire à devenir une source d'amour et de paix. Cela n'est possible que par l'accès de la conscience suprême, que nous on appelle le Kimundu. Alors le Kimundu, déjà moi, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ben, le Kimundu, on va étudier en détail pour ceux qui vont s'y intéresser, mais le Kimundu est un mot Kongo pour dire supramental, conscience divine supérieure. Parce qu'en effet, dans la tradition Kongo, nous ne sommes pas plusieurs. Dans tout le Nza, il n'y a qu'un seul être. Alors vous allez comprendre ça parce que quand vous regardez votre
poste de télé, pour ceux qui ont des télévisions, si vous avez pour votre poste de télévision, sur l'écran de télé, il y a quelque chose de particulier. Je pense que les grands savants ici, il y a quelque chose de particulier. Ça veut dire que la particule photonique qui est sur l'écran des télévisions bouge tellement vite qu'il construit les journalistes, les bâtiments derrière. Et tout ça, c'est une seule particule qui bouge à une vitesse exponentielle. En fait, dans le monde, il y a qu'une seule particule. Alors ça, il faut que vous compreniez cela. Voilà pourquoi, attention, j'ai besoin de dire, atome, c'est dimensionnalisé. Nous sommes la manifestation individualisée de la source unique, expérimentant différentes réalités. Et nous pensons être différents des autres. En fait, en effet, tu es en train de dire à l'autre, casse-toi. Mais c'est à toi qui dis casse-toi. Parce que lui, là, c'est toi. Sauf que vous n'avez pas la même base de données. Il a traité les données, il parle chinois, il vit en Chine, il a un code génétique différent. Mais la conscience qui anime ce corps, l'essence de vie de ce corps, est une essence de vie identique, copie-collée, plagiat, identique. Voilà pourquoi il faut qu'on change notre mentalité, notre manière de fonctionner. Afin de comprendre que lorsque nous détestons, par exemple, en parenthèse, ce qu'on appelle les leucodermes, les blancs, nous les détruisons nous-mêmes. Et c'est quelque chose que nous ne faisons pas attention à ça. Il y a tellement de haine dans le courant, notre courant à nous, panafricain, je vais dire en parenthèse, que nous disons aux autres, ouais, mais les blancs, moi je sais pas, tu sais, les blancs, ils ont tapé. Mais si tu savais, si vous savez ce qui s'est passé, que nos anciens à nous se sont sacrifiés pour que le blanc soit sauvé. Mais ça, on ne sait pas, puisqu'on ne s'intéresse pas à la tradition. Il fallait que le noir soit tapé pour que le blanc apprenne à se laver, par exemple. Il fallait que nous soyons tapés pour que le blanc puisse aujourd'hui dire tout est énergie. On le voit aujourd'hui. Les Occidentaux disent tout est énergie. Hein. Ils nous ont qualifiés d'animistes, il y a 4 siècles. Ils disent ça 4 siècles après. C'est-à-dire que parfois, il y a des moments où j'ai dit non, Lévi était fort. Mais parce que nous pensons que nous sommes des mortels. Nous pensons qu'on les tue et ils meurent. Et puis, mais on est. Il faut qu'on se réveille, on est plus complexe que ça. Alors quand vous goûtez à l'astral, quand vous goûtez à l'éthérique, c'est là où vous dites, ouais, ouais, ouais. Il y a des moments où la voiture passe, tu t'avances quoi. Parce que tu te dis, ouais, écoute, c'est rien à faire. Parce qu'en effet, quand ton corps reste sur ton lit, que tu as laissé ton corps, là tu comprends beaucoup de choses. Tu te dis, dors-moi, moi je travaille. Mais les gens ne font pas. Et donc ils pensent qu'ils sont le corps. Et ça c'est un problème que nous avons en tant qu'aujourd'hui mélanodermes. Nous pensons que le corps et nous c'est la même chose. Alors que le corps, c'est une voiture que nous pilotons. Et nous pouvons nous diviser en plusieurs corps dans la maison. Tu peux laver les assiettes, préparer la nourriture, faire tout ce que tu veux dans la même maison en 5 exemplaires, en 6 exemplaires. Et ça, c'est formidable. Sauf qu'en Afrique, ce que le font aujourd'hui, on les brûle. On dit c'est la sorcellerie. Alors que c'est une science très ancienne que nous avons en Afrique, que nous avons dans nos codes génétiques. Et donc, pour finir presque là, l'école initiatique qui m'entoure. Donc là, je vais vous expliquer un peu. Là, je vais vous faire un peu. Ouais, non, ouais. Non, mais là, je vais expliquer un peu ce que nous faisons à l'école. À l'école, nous avons deux niveaux d'initiation. Il y a ce que nous appelons initiation de base et ce qu'on appelle initiation haute initiation. Et l'initiation de base que vous voyez ici prend 9 mois. Ne prend 9 mois. Et les 9 mois de l'initiation en question sont subdivisés en 3 parties. Ce sont les principes dont je vous ai parlé de Makoku Matato. Et donc nous avons ce qu'on appelle congruité d'été, le premier cercle initiatique, qui prend 3 mois, et lui prend 3 mois, et lui prend 3 mois. Donc ça fait 9 mois de cercle initiatique. Et qu'est-ce qu'on apprend exactement dans ces cercles-là? Donc le premier cercle initiatique, qui prend 3 mois, nous passons sur 9 chapitres, 5 chapitres, que vous voyez ici-là. Et ces 5 chapitres-là, le premier chapitre que nous étudions, c'est la structure cachée du cosmos, de l'univers, qu'on appelle la structure cachée du Nitsa. Et donc à partir de là, nous étudions les coordonnées spatiales là où nous sommes exactement. Donc on étudie, nous venons d'où et nous sommes où. Alors, avant, je le faisais sur Internet. En fait, je le fais sur Internet avec la plateforme de l'école et tout. Donc, il était temps qu'on sorte un peu du virtuel pour faire ça dans les salles. Voilà pourquoi j'ai récomposé les cours, je l'ai rendu plus avec des images et tout, pour que les gens comprennent exactement qu'est-ce que les anciens nous ont laissé comme héritage par rapport au mystère de l'univers. Alors, imaginez un instant que nous sommes ici sur Terre. Tout ce que les anciens ont construit sur Terre ne sont autre que des projections de l'image du cosmos. Toute chose, tout, village, quartier, tout, c'est le ciel qu'ils ont projeté sur Terre. Alors, je prends le cas du Congo. Au Congo, chez nous, ça s'appelle Congo. Il s'avère que dans le Congo, il existe une réalité multidimensionnelle que nous, on appelle le Nkenge. Et ce Nkenge-là renferme 3 sous-cosmos. C'est Mpanzu, Nzinga et Nsako. Ce sont des Metanza, des univers multidimensionnels, je dis ça comme ça. Mpanzu, par exemple, c'est un structure méta-univers qui en fait renferme des informations physiques. Alors pour avoir ce champ physique que vous voyez là,
C'est une énergie qui vient d'un monde qu'on appelle chez nous Paranzo. Et puis Anzing qui est le champ biologique, qui projette tout ce qui est structure biologique en nous. Après, il y a une sarco qui existe, qui projette tout ce qui est psychologie et tout ça. Ça veut dire qu'en effet, les anciens avaient compris qu'en effet, il fallait prendre Nkeng, ramener Nkeng sur Terre. Or, Nkeng s'est projeté exactement dans notre cellule. Quand vous prenez nos cellules, dans le noyau cellulaire, nous avons la présence de trois champs. Alors ça, c'est la science. Il y a le champ H1, H2, H3. Exactement comme la traçante qu'on. Et c'est un Français qui l'a découvert, il s'appelle Émile Pinel. Taper les pierres, on a voulu le buter, comme d'habitude. Enfin bon. Le problème, c'est que ce qu'il disait, il y a des moments, nous qui sommes dans cette tradition, on dit « Oh, mais il a raison !» Mais le mec avait vraiment raison. Il a expliqué le champ, les trois champs énergétiques de la cellule comme l'organisation de la façon qu'on voit. Dans notre tradition, il y avait une école traditionnelle qui formait, par exemple, des leaders, des politiciens. C'est ce qu'on appelle les Nzingangufu, Nzingangwemba. En fait, tout le monde portait le nom de Nzing. C'est une école carrément. Et puis, il y avait les Nsaku, où ils formaient des prêtres. Et puis, il y avait des Mpanzo, qui renfermaient les scientifiques, la société et tout ça. C'était la représentation cellulaire sur Terre. Ça veut dire que les anciens ont utilisé la cellule, ils ont compris le fonctionnement cellulaire, ils l'ont reproduit sur Terre. Alors là, c'est extraordinaire. On a perdu ça. Quand vous arrivez au Congo aujourd'hui, on vous dit Mpanzo, c'est une famille. Nzing aussi, c'est une famille. Ça aussi, c'est une famille. Ça dit que la famille n'est pas quoi. Non, ce sont des écoles. Quelqu'un pouvait être Nzing aujourd'hui, devait être Mpanzo. Ce sont des écoles initiatiques. Ce sont les principes fondamentaux de Marco Matabu dont je vous parle. Et ça, on étudie ça en détail dans ce cours. Après, le deuxième cours, c'est l'hologramme. Donc, on étudie la structure de notre cosmos et nous apprenons en fait que nous sommes que des projections holographiques prouvées scientifiquement aujourd'hui. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. La science que vous voyez à la télé et la science, c'est pas la même chose. La science que vous apprenez à l'école, à l'université et la science qui existe sur cette terre, c'est pas la même chose. Par exemple, les voyages intertemporels existent déjà depuis Nikola Tesla. Ah mais ça, on s'en fout un peu, parce que bon, quand tu es sur Terre, tu ne peux pas payer ton loyer. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens voyagent dans le temps. Déjà, on peut repartir en 97. Ça se fait depuis longtemps. La téléportation était réalisée aux États-Unis par Nikola Tesla. Il a créé l'antenne Tesla avec l'énergie libre. Ces choses existent depuis longtemps. Et le projet ARP, je pense que vous connaissez. Le projet Montauk, vous connaissez. Le Monarch, vous connaissez. Mais les gens ne s'occupent pas de ça. Il y a des techniques de mind control. Tu peux dormir la nuit, on te donne une information dans ta tête et on te crée une journée. Oh non, ça se fait, aux États-Unis, il y a même des plaintes. Hein, les gens se disent, coupables. Hein, faut pas faire ça, attention. Mais on a vu qu'on ne sait pas si ça existe. On a tapé le Zimbabwe par projection holographique. C'est-à-dire que les Zimbabwéens sont en train de combattre les Anglais, ils ont projeté l'hologramme. Mais on est perdu. On voit des gens, des blancs courir partout. Et vous avez un noir qui apparaît devant vous, au Congo, chez nous, qui m'a où on l'appelait, et qui dit au Congolais, ah, laissez tomber, je vais me battre. Il parle avec les Congolais en plus, hein, je vous précise seulement, parce que, en effet, les programmes, toutes les langues sont des programmes. Comme je vous ai dit, c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Et donc, Kimbangu leur dit, bah, écoutez, ne vous battez pas, je vais me battre à votre place. Or, Kimbangu est une projection holographique. La fin dernière en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre contre Mabou et Ouattara, vous vous souvenez. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu l'image qui est sortie il n'y a pas très longtemps, pendant la guerre là, Marie est sortie dans le ciel. Ouais. Et les Ivoiriens disent, oh Marie, oh Marie. J'étais dans la maison, je dis, waouh, mais ils sont bons. Pourquoi on est quand on est bébé? Mais moi, on est des bébés! On nous projette une image holographique de Marie, nous on pleure! Parce qu'on ne sait pas la science holographique. On n'a aucune idée. Et à l'école, on étudie ça. Et ça fait un peu peur, hein, c'est ce que je dis. Parce qu'en effet, quand on étudie ça, c'est la géométrie sacrée à base 12. Ça fait un peu peur. Mais il faut qu'on puisse passer par là. C'est la seule solution pour nous. On n'a pas le choix. Voilà pourquoi la spiritualité est basée sur ce qu'on appelle la géométrie. Une géométrie sacrée à base 12. Il faut que je vous précise ça en passant. Parce que la géométrie utilisée aujourd'hui par les juifs, par exemple, c'est la géométrie à base 10. Vous voyez l'arbre des juifs, on appelle l'arbre de la Kabbale. Il y a 10 cercles. Et cette géométrie-là, c'est ça qui donne la naissance de le nombre d'or de 1,618 dans nous les normes utilisées aujourd'hui, alors que c'est du poison. Alors ça, on ne fait pas attention à ça aussi. C'est des choses que nous devons étudier. Étudier la géométrie sacrée à base 12, comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ici, vous avez le troisième chapitre, on étudie en effet le tino. Arbre de vie en mouvement spiralé, c'est l'arbre dont je vous parle, qu'on étudie. Et puis le kinsono, la géométrie sacrée. Et puis l'introduction à la cosmogonie Congo de l'école, de l'âge du verso. Donc, une table de Kinkimaza dans l'âge du verso. Et ici, la cosmogonie, ici, c'est de la géométrie. Parce qu'en fait, avec une simple figure géométrique, quelqu'un peut sortir du corps. Bon, je dis ça, mais vraiment, comprenez-moi que c'est possible. C'est-à-dire qu'avec une figure géométrique, tu mémorises, tu te retrouves, tu regardes ton corps derrière. Et ça, c'est tellement simple. Il y a des moments où on se dit, on ne donne pas ça aux autres. On dit, mais ils vont te brûler une soirée si tu dis ça. Voilà pourquoi, vous voyez, j'ai fait une émission sur Internet et on appelle ça Kindoki. Alors, je vous précise tout simplement que, au Congo, le mot Kindoki, même le pasteur rentre sous la chaise. Ça fait peur. Je ne vous parle pas du foot, là. Je vous parle de Kindoki.
Et chez nous, par exemple, au Congo, vous avez des enfants qu'on a jetés dans la rue parce que papa a dit c'est un sorcier, en fait un Loki. Parce qu'on a réussi quelque chose d'exceptionnel, c'est de combiner Kinoki à sorcellerie. Et ça marche. Et ça nous détruit. Alors que les enfants sont des enfants qu'on appelle aujourd'hui indigo. Les enfants indigo, c'est ce que nous on appelle à la façon Congo les Banabinaka, dont a parlé l'initié Kimbaru. Ils naissent en ce moment sur toute la surface de la Terre, en Afrique, on les tue. En Afrique, on les tue. Parce que quand tu viens, tu vois ton bébé léviter, tu vas les jeter à la rue. Tu n'es pas intelligent pour comprendre que l'évitation est une science. Mais ton bébé, tu es un sorcier. Quand tu mets un enfant qui a 2 mois et que tu vois l'enfant en train de bosser les mathématiques, mais tu le mets à la rue. Parce que l'Africain doit comprendre qu'il y a un bébé de 2 mois qui fait des maths. Parce qu'il n'a pas ce qu'il dit. Non, mais c'est un sorcier. Mais je l'ai vu parler. Vous voyez? Je l'ai vu parler. Dans la rue. Et ça, c'est des choses que nous devons. Mais pour arriver à ça, il faut avoir la science qui va avec ces phénomènes-là. La différence qui existe entre nous et les Occidentaux, c'est que les Occidentaux ont la théorie. Beaucoup de théories. Ils n'ont pas la pratique, souvent. Nous, on a beaucoup de pratiques, il n'y a pas la théorie qui va avec. Et ça devient dangereux. Parce que quand quelqu'un tombe au Cameroun la fois dernière, quelqu'un tombe au Cameroun nu sur le toit, on a récupéré la tapée. Non. Mais afin de que, une fois se demander, comment t'as fait? Ah non. Ah ouais, mais la question c'est tabou. On le récupère d'abord, on le tue, après on se dit, mais en fait, comment il faut? Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons changer. Mais il faut que nous comprenions qu'il y a des phénomènes qui existent et c'est des phénomènes qu'on va étudier. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment la nuit, ils sont victimes des incubes et des succubes. Les hommes et les femmes de nuit, ils dorment la nuit, ils pensent que c'est un rêve. Alors que c'est un voisin qui s'occupe d'elle. Hein. Rapidement, le mec te drague la journée, tu dis oh non. Il a 2 techniques avec des plantes de doigts là. Ah, mais j'occupe des doigts la nuit, tu vas faire quoi? T'es tellement aliéné que le matin tu reviens, tu dis j'ai rêvé ce mec là. C'est bizarre ce rêve. Ben lui, il était là. Il a été là. Et il n'y a pas que eux. Il y a aussi les Ntebo. Les Ntebo, c'est ça, des esprits chez nous. Des êtres qui ont utilisé le Kinduki dans le mauvais sens pour faire du mal et qui sont morts et qui sont devenus des esprits errants. Et sur Terre, ils foutent la merde. Il y a des esprits des morts qui s'occupent des gens sur Terre. Les femmes de nuit, les hommes de nuit, la possession et toutes ces choses-là. Et ça, il faut qu'on... Mais on doit être protégé. On doit comprendre que ça existe. Mais non, on s'en fout. Parce qu'on nous a conditionnés. Et tout ça, on étudie. Continue, on va passer vite là, s'il te plaît. Et donc, on a fait les techniques de nettoyage. Et ces techniques de nettoyage, c'est pour ça qu'on a pris même une salle, parce qu'il était temps qu'on le fasse dans une salle. Parce que sur Internet, quand j'ai su les techniques, c'est sûr que quand la personne est chez elle, là, ces acrobaties qui se fassent. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils font ça exactement comme. Voilà. Mais les techniques de nettoyage qui permettent en fait de se nettoyer par rapport aux dettes. Parce qu'en effet, nous avons une continuité de vie. On meurt, on revient. Jusqu'à ce que vous compreniez, en effet, qu'il faut se nettoyer des énergies canalisées. Et à l'école, nous vous expliquons comment cela se passe, que la personne meurt et la personne revient sur Terre. Hein, c'est un cours qu'on fait pour vous expliquer exactement comment ça se passe, mais avec la science. Parce que c'est ça aussi. L'école qui monte, ce n'est pas une religion. Parce que je ne veux pas qu'on dise « Dieu a dit ». Ça ne t'intéresse pas à l'école qui monte. Il faut comprendre le phénomène, comment ça se passe, afin de pouvoir avoir la possibilité de comprendre. Non. Donc après, il y a les méditations sur la puissance des couleurs, un cours que nous faisons aussi, qui permet de comprendre les couleurs, et puis comment travailler avec les couleurs et tout ça. Et puis, après 3 mois de cours, les gens passent dans cette partie. Et dans cette partie que vous voyez ici, on étudie les cellules, on étudie l'être humain comme un être multidimensionnel, on étudie le kimuntu, on étudie le cerveau humain, qui est un hologramme tout simplement, parce qu'en effet, le cerveau, la mémoire n'est pas dans le cerveau, l'intelligence n'est pas dans le cerveau, c'est dans les champs. Et puis il y a un monsieur qu'on appelle Rupert Sheldrack, qui a découvert scientifiquement qu'en effet, nous sommes des êtres connectés aux champs qu'il appelle les champs morphogénétiques. Et avant lui, il y avait un autre corps qui a découvert qu'en fait le cerveau était un hologramme. Mais si, quand ils font ça, nous qui venons par exemple de la tradition africaine, qui s'intéresse à notre tradition, on est content parce qu'on dit, oh en fait, ils ont réussi, hein, ils arrivent là, c'est bien. Parce que ce qu'ils disent, les traditions le disent. Chez nous, en Kikongo, par exemple, pour dire penser, nous on dit banza. Banza. Or, ba, dans ce cas-là, c'est un souhait. Soyez. Soit le nza, le cosmos. Ça veut dire que la pensée chez nous, ça veut dire que que le monde soit le reflet de ce que tu ressens. Soit le monde. Et on le dit dans la langue. Et puis, pour dire connaître, il suffit de faire zaba. C'est une langue incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée et la connaissance, c'est le même mot. Alors là, on peut étudier le ça. C'est quoi le bas, c'est ça, mais ce n'est pas le but de ce soir. Donc, on va continuer. Donc, ici, on étudie les bimuelos,
qui sont les chakras. Frater Combo nous précise qu'en effet, les chakras, il y en a 15 mineurs et non pas 7. Mais c'est des choses qu'il faut étudier parce que l'Asie, c'est vrai qu'il nous a donné beaucoup d'héritage, en fait, beaucoup d'informations dessus. Mais beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que 7 chakras. Les chakras, c'est juste sur les orteils, juste partout. Tout le corps a des chakras. Les chakras mineurs, les chakras majeurs. Et les chakras, mais on a 9 corps, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Alors, il faut que je précise aussi que les chakras ne sont pas sur le corps physique. Alors, ça aussi, c'est un problème aussi. On dit, oh, les chakras, le problème des poils. Alors, ça aussi, les chakras ne sont pas sur le corps physique. Les chakras se manifestent sur le corps physique comme étant des glandes. Voilà pourquoi je vous ai mis le mot glande ici. Par exemple, la rate. Par exemple, ce que nous appelons, nous, le ntumpa, la glande pinéale. C'est la contrepartie du chakra qui est dans un autre corps, on l'appelle le corps éthérique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas le corps en question, vous n'allez rien comprendre du corps physique. Continue, parce que là, il faut... Voilà. Donc, il y aura les techniques de connexion. Dans cette partie, on étudie les techniques de purification cellulaire, les techniques de contrôle de rêve. Comment vous avez la possibilité de repartir dans vos rêves quand vous avez beaucoup de temps? De changer le rêve, ça change votre vie. Alors, vous comprenez la magie de ce que nous sommes. Nous avons la capacité de repartir le passé, changer et revenir dans le présent. Le présent, le passé, le futur sont des temps simultanés. Ça veut dire que pendant que je suis en train de vous parler, là, nous sommes, je ne sais pas, quelle heure là? Là. Ce que je viens de dire là tout à l'heure, je suis en train de le dire. Nous vivons simultanément au même moment ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, ne pensez pas que la vie, c'est une continuité. Ah oui, je bouge et tout. Alors, là, ça ne bouge jamais, hein, on ne bouge pas. En fait, tu ne peux pas rentrer dans une salle si tes particules ne sont pas déjà dans cette salle. Je ne peux pas bouger mon bras si mes particules ne sont pas déjà là. Voilà pourquoi vous pouvez vous efforcer à changer vos vies. Si vous ne changez pas le champ caché là-bas, rien ne change. Alors, un hologramme ne change jamais. Un hologramme, vous voyez la projection là. Ce que j'ai mis sur la clé là-bas, c'est projeté ici. Ça, je peux regarder, je ne peux pas changer. Pour le changer, il doit repartir dans l'ordi, modifier le fichier et ça change ici. Alors, comme on est perdu, nous, les mélanodères, on s'intéresse à ça. Je vais changer ma vie, je vais changer l'Afrique, Mais tu l'as programmé là-bas. Vous suivez, hein? Et donc, il faut avoir la capacité de repartir, modifier, et puis changer ici. Voilà pourquoi il y a des gens qui cherchent à changer. Ils vont, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne repars pas changer, tu ne pourras jamais changer. Quelque chose dans le monde, les choses qui sont projetées ne peuvent pas changer. Voilà pourquoi ce que nous vivons actuellement, c'est une projection passée actualisée. Et donc, on aura la capacité de repartir, le modifier et de revenir, et tu te sens bien. Et il y a des moments où tu peux être en méditation, tu te sens pas bien. Tu dis, bon, je vais faire un tour en Haïti, comme a fait mon frère. Je fais un tour en Haïti, mes ressources. Mais là, il ne va pas physiquement. Bon, là, il n'est pas physiquement. Mais là, c'est en méditation. Et je vous assure, il va en Haïti. En pensant, il est dans sa chambre. Hein. Il pense, ah, oh, il me manque. Ah, oh, les plages de Haïti, ah, oh, c'est bien. Et il finit la méditation, je vous assure. Si vous savez comment ça se passe, tu es debout dans ta chambre, tu te sens bien. C'est comme si tu viens d'Haïti. Tu as pensé à Haïti, tu te sens bien. C'est comme si tu penses à l'oseille, tu as le goût de l'oseille dans la bouche. Vous vous souvenez quand tu penses à l'oseille? Ben tu sens l'oseille dans la bouche. Et c'est ça le mystère. En fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte que tu peux partir, faire et tu reviens. Et tu ne te rends pas compte. Et tu penses qu'en effet, oh, c'était des pensées. Mais non. En fait, nous sommes dans tous les temps au même moment. Voilà pourquoi il faut le contact avec nos doubles. Nous sommes aujourd'hui vendredi, samedi c'est demain, après-demain c'est dimanche. Dimanche est déjà vécu simultanément. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, dimanche, la rebelle de dimanche, je peux vivre dimanche. La rebelle d'aujourd'hui peut dire à la rebelle de dimanche, en fait, dimanche c'était comment? Et elle va dire à Bobette que, oh, écoute, le bus là que tu vois là, ne prends pas ça. Elle vient d'échanger son passé. Et Bobette va vous lever comme ça, on voit le bus. Elle va dire, ah mais non, je rentre pas. Le double m'a dit, je rentre pas. Et ça, c'est le bonheur. Mais on nous a déposé de ses facultés. Parce que dès que tu dis ça, mais ça se guérit. Voilà pourquoi j'avais décidé de dire, bon, même si on met au bûcher, qui on va en parler. Parce qu'il faut qu'on arrange ces choses-là. On joue trop avec nous. Parce qu'on a perdu ces sciences-là. Continue, frère. Voilà. Bon, vous avez vu tout à l'heure avec le développement de l'intuition. Alors, comprenez tout à l'heure. Reviens, Noé, s'il te plaît. Là, vers la fin, vous avez le développement ici, l'émotion et l'intuition. C'est la base de la vie. Celui qui n'a pas la maîtrise de ses émotions et de ses intuitions n'a jamais existé. Bon, c'est une virgule de la vie, quoi. C'est même pas pourquoi il qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Ces deux réalités-là sont combattues et détestées. Voilà pourquoi la spiritualité, c'est la fusion avec son côté féminin et le côté masculin. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la haute spiritualité de haut niveau dans la tradition africaine si tu n'es pas marié. Alors là, vous avez tapé les pierres, mais il faut que je vous le dise quand même. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le côté féminin qui va avec et le côté masculin qui va avec, accompagné par ton être qui doit t'accompagner, en faisant ce qu'on appelle chez nous l'homo, le mariage ultime,
tu vas développer ton côté féminin, il va te manquer le côté masculin. Et il faut avoir le masculin et le côté masculin. Et ça se passe par le mariage. Alors, le mariage, c'est un sujet que je vais traiter en détail. Et après, c'est combiner la sexualité. La sexualité, la base de toutes les spiritualités africaines. Pas les spiritualités, la sexualité, ne rêvez pas. La sexualité est la manifestation de la conscience divine de la matière. Voilà pourquoi au Congo, chez nous, il y avait une école là-bas qu'on appelait Oumwani. Ouais, c'est tombé. Il y a des vidéos qui passent sur. Mais bon, c'est un de pour les enfants aussi, vous comprenez. Il y a une vidéo qui s'appelle aujourd'hui de Tanzanie, je pense, de la traduction Congo. Et on appelle ça Baïkoko. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo Baïkoko, des choses comme cela. Et ces choses-là étaient top secrètes dans les cités secrètes. Mais là, ça sort dans les rues. Et ça commence à foutre la merde dans les villes. Parce que les choses qui étaient cachées, parce que les gens apprenaient la sexualité à l'école et à la maison. Voilà pourquoi un mélanoderme ne fait pas l'amour de la même manière qu'un leucoderme. Ah non, ne rêvez pas. Mais nous, aujourd'hui, on est conditionnés, on fait comme eux. Les gens pensent que la sexualité, pour l'homme, c'est l'éjaculation. Tout être qui éjacule, sans procréation, meurt. Ça, on ne le sait plus. Parce qu'on a oublié le Mbemangeli, la Kundalini. On ne s'intéresse même pas. C'est-à-dire qu'on vit, comme ça. Parce qu'on se dit, bah, écoutez, parce qu'en effet, la sexualité est plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. Parce que le plaisir sexuel est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est être dans un état où tu peux voir un mazi, un être angélique. C'est-à-dire qu'il y a ouverture des chakras, connexion des ondes, connexion. Il y a des choses qui se passent lors de l'acte. Oh, aujourd'hui, on ne fait rien du tout. On ne sait pas ce que ça se passe. L'amour en Afrique, le sexe en Afrique, c'est une initiation. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'amour si tu n'as pas initié au sens secret de l'amour. Voilà pourquoi au Rwanda, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont le kunyanza, le kukuna. Et toutes les filles rwandaises initiées, je précise, les sexes des filles rwandaises ne sont pas pareils à toutes les autres femmes. Je pense que ça, vous avez déjà viré, pétali l'information. Faut vérifier. C'est pas pareil. Ils ont, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, non mais pas. C'est. Voilà, renseignez-vous là-dessus. C'est extraordinaire. Et ça, c'est des choses. Le Kukuna, par exemple, au Rwanda, ou le Kunyanza au Rwanda, c'est une chose secrète. Et même, il y avait une émission qui passe. En fait, il y a un Canadien qui fait l'émission, le sexe à travers le monde. C'est extraordinaire. Hein? En Afrique, il n'est pas venu au Congo. Il est parti au Mali, hein, au Bénin. Ah non, au Rwanda. Ah non, le Canadien partout au Rwanda, il dit, au fait, on a entendu là, les sexes ici, c'est comment? Ah, il fallait, ailleurs, on a détruit, on a tout détruit. Mais les autres ont gardé certaines essences. Mais c'est ça qu'il faut réanimer, parce que ça, c'est la base de la spiritualité. Bon, tout ça, on le fait. Voilà pourquoi on a besoin des émotions canalisées, parce que l'émotion du bas astral, très dangereux. Et puis, on a besoin de l'intuition, des facultés très développées, pour essayer de comprendre les mystères. Continuons, on passe à la fin. Voilà, là, c'est la troisième partie. Où nous étudions la science Kindoki, dont je vous parle depuis qu'on a commencé. On étudie les différentes lois spirituelles du cosmos dans la pensée Congo, la puissance de la pensée, Mabanza. Alors là, c'est très intéressant, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que le monde est le reflet de nos pensées. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque je dis je ne veux pas, je veux. Et je ne sais pas ce que je dis qui compte, c'est ce que je ressens. Tu peux dire, ah chérie, je t'aime, si tu ressens le contraire, tu ne l'aimes pas. Le ressenti, le monde dans lequel tu vis. Quand tu dis, ouais, l'Afrique ne change pas. Non, tu le ressens. Quand tu es pauvre, tu ressens la pauvreté. Quand tu es malade, tu ressens la maladie. Tu n'es pas malade parce qu'il laissait tomber. Si vous savez que le corps, là, un virus ne peut pas rentrer. Mais on a neuf corps. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on est comme des enfants. Nous nous auto-empoisonnons. Nous nous auto-envoûtons. C'est nous-mêmes qui nous envoûtons. C'est nous qui disons que, ouais, en fait, j'ai peur. Hein. Ah, mais là, c'est fini. Tu as ouvert le bouclier. Alors, le corps va te frapper bien. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut, comprendre. Mais bon, c'est une chose qu'on va étudier en détail. Et puis, les techniques d'activation des niveaux de conscience, le Kim Muntu dont je vous en prie de vous parler, avec les différents niveaux, les techniques de reconstruction énergétique du Muntu, et puis l'hypnose, à traduction Congo. J'ai mis comme ça pour que vous compreniez, parce que bon, les mots français, ils sont pas les gens parlent français, j'ai hésité un peu. L'hypnose, le magnétisme, la suggestion dans la tradition Congo. Ça veut dire comment ça se passe, et comment on peut avoir le don des guérisons, les transitions énergétiques, ces choses-là, et comprendre qu'en fait, se soigner, c'est soi-même d'abord. Et on se soigne par un principe fondamental, le dia, comme on dit chez nous, Kikongo, qui veut dire manger, et le noir, boire. Et le dia chez nous, manger, quand vous prenez l'anagramme de dia, vous avez Adi. Et Adi chez nous, c'est la divinité Kongo de la lumière. Voilà pourquoi, dans la tradition Kongo, vous ne pouvez pas manger des aliments qui ne cristallisent pas la lumière. C'est du poison. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi, pour dire cette chez nous, on dit ça, mboadi. Ça veut dire le ça, faire que le mba
soit de la lumière. C'est le chiffre 7. Dans toutes les traditions, le 7 est considéré par sa même manière. Et c'est ça qui est merveilleux. Et vous comprenez qu'en effet, la planète que nous avons là était une seule culture avant. Il y avait une seule civilisation sur toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, on se fait les guerres parce que, ben, écoute, on était infiltrés. Je m'arrêtais là-bas parce qu'il ne faut pas que... On était infiltrés. Alors, continue. Et donc, après avoir fait les 9 mois, vous voyez, il y a 3 mois, la personne fait tout ça. Et la personne rentre dans cette deuxième partie qui est appelée la haute initiation. Et la haute initiation, pourquoi je l'ai mis après? Parce que je n'ai pas voulu donner ça avant. C'est sûr ce qu'on fait ici. Parce qu'ici, on s'intéresse à des sciences secrètes Congo qui demandent certains niveaux. C'est pas parce que c'est dangereux, non. Parce que si tu ne comprends pas que le corps étant une projection holographique, excusez-moi, à partir de là, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va se passer ici. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe réellement? On étudie des sciences comme la chimie. Je dis ça comme ça pour que vous compreniez bien. On appelle ça chez nous le Kindanga et le Kibunza. L'alchimie et l'astrologie. Et ça, on étudie en détail. C'est-à-dire que les gens qui sont ici dans la haute initiation, je pense que ceux qui écoutent la radio, qui montent tout, qui sont sur le site de l'école, vous avez vu qu'il y a certaines personnes qui commencent à faire les émissions, pas moi. Il y a d'autres sœurs et frères qui ont commencé à faire les émissions sur la radio. C'est ceux qui ont entendu dans cette partie-là. Et on est en train d'apprendre d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi tu es là et comment ça se passe que tu es là et comment ça se fait que tu sois là? Et est-ce que tu dois avoir tel ami ou pas? Bon, ton copain est compatible ou pas? Et ce boulot, pas ou pas? Et quand tu ne sais pas ça, tu vis comme un mouton. Et tu seras désespérant, désespérant, désespérant. Parce qu'en fait, tu as un boulot. Ah oui, j'ai travaillé 2 ans là-bas, après j'ai travaillé 3 ans là-bas, après. Parce que tu n'as rien compris. Que quand tu sais ce que tu es, tu décides, tu dis là, c'est pour moi, c'est pour. Jusqu'à la mort. C'est mon poste, quoi. Et personne ne peut t'enlever de là. Personne ne peut t'enlever, mais tu connais les lois. Voilà pourquoi ces choses-là peuvent être dangereuses entre les mains des gens qui sont dans l'ego. Et qui peut faire du mal avec, vouloir faire du mal avec, parce qu'ils ont la facilité de d'évincer l'autre, de vouloir conquérir les territoires des autres, et ainsi de suite. Et c'est cette partie-là où on étudie les sciences secrètes, la géométrie sacra base 12, donc l'astrologie, la chimie, qui est une science africaine par excellence. Hein, parce que le alchimia, ça vient des Arabes en fait. C'est bien après qu'il en mine. Parce que Kémite, comme vous le savez, comme je suis en train de vous la montrer, Rem, le noir. Donc sa science. La science noire ou la science des noirs, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais en fait, la chimie est une science qu'il faut qu'on puisse s'intéresser à ça. Si on n'a même pas le choix. Voilà pourquoi, hier, j'ai tenté de faire cours avec les autres sur la plateforme, on parlait des mystères cachés des bâtisseurs des cathédrales. Parce qu'à l'époque, ils m'ont dit, vous comprenez bien que c'était là sa histoire. Mais pas la même version de l'histoire. Pas la même version de l'histoire comme on nous dit. L'histoire que nous faisons avec Kotimuntu. C'est quelle est la relation entre nous et les êtres de nature? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire, ouais, les Français nous ont tapé, les Belges nous ont tapé. Ah non, non, non. Avant qu'on était au Congo, les mêmes nous attachés, nous là, c'était comment? Bon, quelle est la coopération qui s'est passée entre nous et eux? Les esprits de la forêt, les esprits des eaux, les Bissimbi, il faut parler, ils existent. Comment se passe nos coopérations? Quels sont les contrats? Voilà pourquoi, quand vous arrivez dans un village africain, vous êtes intellectuel, vous êtes toujours en Occident, vous arrivez. Vous êtes devoir faire l'agriculture. Dans mon village, par exemple, tu peux faire ce que tu veux. C'est que là, tu n'es pas parti voir le vieux du quartier, le vieux du village qui n'a pas les dents là. Ton narratif ne va pas pousser. Fais ce que tu veux, hein. Tu rentres, tu fais, tu dis je suis intellectuel et tout. Le vieux est calme, il est là. Il dit il fait quoi? Non, il fait des hectares. Je vous assure, vous pouvez faire 9 mois, 2, même 2 ans. La racine là ne va pas pousser. Ah, on a essayé, non? Et là, tu dis ah! Mais une petite mesure ici, ça pousse pas. Et là, c'est là où on te dit, mais toi, est-ce que tu as donné le Nzamba, le vin de palme au vieux? Et là, tu dis, oh, au fait, il fallait donner le vin de palme au vieux. Mais toi, là, tu n'as rien compris. Hein? Parce qu'en effet, dans nos systèmes actuels, jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, il y a encore les maîtrises des forces de la nature. On ne construit pas les routes par hasard dans le monde. Et donc, quand on étudie la géométrie sacrée de l'univers ou du monde, quand vous arrivez à Paris, vous hallucinez. Paris n'est pas construit comme vous voulez. Oh, ouais, je suis à Paris. Ouais, non, il y a des routes, quand tu passes, tu es enceinte, ton bébé reste. Ah non, mais qui t'a dit de passer? T'es bête. Et c'est tellement bien fait que quand tu vois la cartographie de Paris, tu dis, telle route, c'est pas bon. Voilà pourquoi les Champs-Élysées, je pense que vous savez, les Champs-Élysées à où? Les Enfers. Hein, vous savez, Élysées. Hein? Bon. Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrivez sur les Champs-Élysées, qui est le chemin des enfers, je pense que vous le savez, vous avez l'obélisque de ce côté et puis l'arc de triomphe de l'autre côté. L'obélisque ici, là,
ben c'est entre parenthèses le sexe d'Horus. Et à le chemin des enfers, pour l'autre côté, vous avez le sexe de Osiris et d'Isis. Et autour de l'arc de triomphe, vous avez les 12 voies de l'initiation. On n'a pas rien. Tout le monde parle aux Élysées, l'avenue la plus machin, de la géométrie de malade. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu as dit, oh, pays avant de venir en France. Et je me suis miné. Je suis arrivé en France, ça marche pas. J'ai dit, mais t'as rien compris. L'aéroport. Quand vous arrivez ici, là, Trudeau, hein, ça. Ouais. Et c'est parce que nous, ah, qu'est-ce qu'on nous a fait? Bon, on nous a fait des. Quand vous arrivez à Trudeau, là, quand, si vous savez les caractères, vous allez lire les symboles maçonniques, vous allez halluciner. Vous devez même passer par là. Mais tu as des bagages, tu es pressé, et tu traverses, et ils anéantissent tout. Tu fais ce que tu veux en toi. Mais quand tu rentres ici, vraiment, je me téléporte ici, tu te téléportes pas. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas d'initiés. Ils nous ont fracassés avec leurs initiés. Nos initiés disparaissaient, on les attrapait. Alors, Béonzin du Bénin, on l'a attrapé, hein. Alors, vous souvenez, Béonzin? À la chopée, on l'a dit, ben papa, tu es fort, mais nous aussi, hein. On est, nous, en plus, il s'est fait tigre, on va bien te fouetter. Et donc, ce qui fait qu'on a oublié que les villes occidentales dans lesquelles nous vivons est une représentation géométrique très dangereuse. Et les quartiers à Montréal, et les moments quand tu vois, j'arrive, je traverse, je rentre chez moi, je ne dors pas la nuit, je me sens mal, l'énergie, le vampirisme énergétique à haut niveau. Mais après, je dis à ma femme, mais comment dire ça à mes frères, mes nanos, en fait, comment dire ça à ma communauté, qu'il y a des menus ici qu'on ne peut pas rentrer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas même mettre le pied comme ça. Mais voilà pourquoi je te dis, pourquoi pas une école? Et pourquoi pas en parler en famille, comme on le fait aujourd'hui? Et puis, pourquoi ne pas donner tout ça à tout le monde pour qu'on puisse évoluer? Non, je ne parlais pas. Alors, papa Robin, je sais pas, il est quelle heure? Parce que. Puisque faut qu'on. Ça va, il est quelle heure? 9h? Ah, il reste 30 minutes, c'est ça? Oui. Ouais. Question-réponse alors. Ceux qui ont des questions, on aura le temps. Oui? Moi, j'avais une question par rapport aux 9 corps. Oui. Dans l'exemple que j'avais pris tantôt, par exemple, quand vous avez dit qu'un virus ne peut pas rentrer dans le corps, ça veut dire que. Il faudrait qu'il pénètre les 9 corps avant d'atteindre... Il faut que tu affaiblisses, toi, un des tes corps. Parce qu'il y a l'harmonie des corps. Si tu affaiblis ton corps, ça passe. Et comment tu l'affaiblis? Par la croyance. Voilà pourquoi ils doivent d'abord te convaincre que le virus existe. Mm-hmm. Et si tu acceptes que le virus existe, alors écoute, nous, en fait, toi, mais tu sais, le cœur de la forêt, tu vois le cœur de la forêt là? Ne meurt pas. Ah, mais si les gens devaient mourir, c'est nous qui vivons dans les moustiques, quoi. Mmh. Les toits, vous savez les toits, hein, les pygmées. Mmh. Mais laissez tomber, 90 ans, je suis là. C'est pour cela, quand tu sors, tu dis, comment payez-vous au cœur de la forêt, ils ont des âges comme ça? Au Congo, la RDC, après, mais papa Robert est là, 200 ans. Il y a des gens à 200 ans. Mais après, il y a des moments que nous sortons, non, l'espérance de vie à Brazzaville, à Libreville, dans les capitales occidentalisées de l'Afrique, je précise ça. 45 ans. Alors, tu comprends qu'en effet, c'est un problème de croyance. Dès que toi, tu acceptes que ça existe, tu rentres dans le champ d'activité. Il y a une vidéo que Montagnier est le scientifique français prix Nobel de médecine, qui a dit que le virus du sida existe. C'est celui qui a découvert le virus du sida. Il a fait une vidéo pour dire, oh, non, je me suis trompé. Ça circule, là, vous tapez sur Internet, Montagnier et le sida. Il a dit, le sida, c'était une erreur. Il a dit, mais t'es malade, les gens meurent, tu dis que c'est une erreur. Alors, ce qui ne dit pas Montagnier ou les gens, c'est qu'ils meurent parce qu'ils ont cru ce que j'ai dit. Et lui, on a dit, mais donc tu dis que ça peut se soigner? Il dit oui. Comment? L'alimentation. Alors là, les Français sont fâchés. Il y a un autre scientifique allemand, il s'appelle Hammer, docteur Hammer. Hein? Hammer, H-A-M-E-R. C'est le mec dit le cancer, c'est combien? Le cancer, c'est la croyance. Quand tu es traumatisé, tu crées le cancer. Quand tu es stressé, tu crées le cancer. Il dit, si on se déstresse, voilà pourquoi vous arrivez en Afrique, c'est pas parce qu'on n'a pas les problèmes, on fait des dossiers. Et il y a des maladies qu'on n'a pas. Premier pays consommateur d'antidépresseurs, la France, et les Norvèges, les Danemark, les Japon, le Japon est plus riche que nous. Ils se suicident en collection. Ils font des groupes, ils sortent en. Ah, tu vois. Et jamais tu vas voir un Camerounais à Douala se suicider. Non, mais attends. Comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un problème de croyance. Parce que dans notre culture, on nous avait dit la mort, là, laissez tomber. Voilà pourquoi nous avons déporté. Voilà pourquoi on est vivant. Si nos ancêtres étaient comme des Japonais, les Noirs disparaissaient déjà. Parce que quand les Américains sont arrivés au Japon, ils ont pris le Japon,
les Japonais ont commencé. Il tue sa femme, il tue ses enfants et se suicide. Hein, voilà, la Harakiri. Il fallait que les Américains appellent, en fait, plus aller voir l'empereur japonais pour dire, c'est l'heure de se calmer. On ne comprend pas. Parce qu'ils se suicidaient. Ils ont peur. Mais comment je peux perdre? Comment moi, Japonais, moi, ils commencent à se suicider, se suicider, se suicider. Mais les Africains ne peuvent pas faire ça. Les Africains disent, oh, faites ce que vous voulez, moi, je vais vivre. Voilà pourquoi nous vivons. Et on va vivre encore, je dis ça même, je l'ai dit, oh, on va dire, mais on soit allé manger le tel parfum, je dis, vous avez rien compris, on va vivre, même après eux, on va vivre. Même si on jette des armes nucléaires, on va vivre. Parce que le vieux là, le vieux aborigène d'Australie là, quand la nucléaire frappe là, ça brûle tout, lui là, son champ n'est pas brûlé. Ça veut dire que vous devez comprendre que c'est un problème de croyance. Il y a un initié haïtien, je dis son nom, qui était en train de conférence avec un Amérindien ici au Canada. Non, la place. Et ils expliquaient que lorsque les conquistadors portugais, en fait espagnols, sont arrivés en Haïti, ils sont descendus comme ça. Les Haïtiens, en fait les Haïtiens, pas les Noirs, je parle des Haïtiens, hein. Les Haïtiens de l'Haïti, ils ne les voyaient pas. Les bateaux étaient au-dessus de l'eau comme ça. Et eux, les Haïtiens, ils ne les voyaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas voir quelque chose que tu ne sais pas et que tu ne crois pas. Nous voyons parce qu'on nous a dit. Et là, si je vous dis certaines choses, les mots, hein, si je vous dis des mots ici, vous allez rentrer dans votre chambre. Ce soir, vous allez voir des choses. Parce que je vous ai passé une formation. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le fait que nous regardons des films, voilà pourquoi j'ai éteint la télé, mais bon, tu exagères. Le fait que nous regardons des films, ça tue, ça viole, ça massacre et tout, nous créons la réalité. Donc, on nous fait connecter involontairement à la réalité de cette réalité-là. Alors que la guerre mondiale, quand ça a frappé, je parle en Allemagne, la France, l'Europe, le vieux Congolais, là, le Congo qui était dans le village, n'avait aucune idée qu'il y avait la guerre. En fait, il avait sa pipe là, il était calme, la guerre est finie, ça n'avait pas qu'il y avait la guerre. Vous êtes sûr que les Madagascar, le vieux du village de Madagascar, savait même qu'il y avait Hitler qui frappait les alliés français? Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, le monde, même quand on vit dans la même réalité, même ici à Montréal, ici dans cette salle, on ne vit pas les mêmes réalités. Il y a d'autres qui ont des problèmes de facture. Il y a d'autres qui ont des problèmes avec son copain, sa copine. Il y a d'autres qui ont des problèmes de santé. Il y a d'autres qui ont la tuberculose, de blablabla. Vous voyez? Mais on n'est plus ici. Mais on ne vit pas la même réalité. La réalité est unique pour la personne qui la vit. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas rentrer dans son champ d'activité si tu ne le permets pas. Voilà pourquoi le problème que nous avons, vous savez, c'est que les gens pensent que tous les Noirs vivent la même réalité. Il y a des moments, je me suis dit, qui a fait le Japon, qui est venu au Canada et tout. Il y a des Français qui sont nés à Montpellier, par exemple, qui ne sont jamais sortis de Montpellier. Ils vont mourir là-bas. Mais un petit Africain peut faire le Japon, étudier, venir au Canada. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il souffre. Il y a des Noirs sur la terre qui vivent mieux que les Occidentaux. Et c'est ça que devait créer, comprendre. C'est-à-dire que la réalité est d'abord soi. La différence entre les Occidentaux et nous, c'est quoi? C'est que nous avons compris cela, nos anciens ont compris cela. Ils l'ont intégré dans leur philosophie. Ils ont dit, puisque la réalité est individuelle, on le sait, pourquoi ne pas les fusionner? Pourquoi ne pas créer une société matique où nous allons vivre ensemble, au lieu de vivre chacun pour soi, Dieu pour tous? Et c'est là qu'ils ont créé le principe matique. Et l'Occident a dit, non, nous, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça veut dire, je vais vous fracasser tous. Mais pour vous fracasser, il faut que vous puissiez me donner la permission de rentrer chez vous. Donc, j'ai créé des outils pour que vous puissiez baisser votre garde. Donc, la croyance. Et donc, c'est pour cela qu'il a créé il a investi dans les documentaires, il a investi sur des choses. Et quand tu crois à ces choses-là, tu t'attends. Voilà. Merci. Tu m'arrêtes pas, je vais pas là. Il y a d'autres questions ou bien? Oui, ça va. J'ai une question, Seigneur. Puisqu'on est tous. Non, pas la caméra. Non, t'inquiète, d'accord. Puisqu'on forme tous un ensemble. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres nationalités ici, d'autres des Blancs, des Arabes, des Chinois, des... Pourquoi plus mettre l'emphase sur les Kémites? Non, on n'a pas mis la chose sur les Kémites, pas du tout. À l'école, ils vont plus à des Blancs. Okay. Voilà. C'est ça qui m'a créé des problèmes. Parce que, quand j'ai lancé l'école, ils vont plus, parce que mon idée, en fait, vous devez comprendre une chose. Dans la tradition Congo, il y a un principe qu'on appelle le Kabula. Le Kabula, c'est le partage énergétique. Si les Blancs ne sont pas éduqués, écoutez bien, si les Blancs ne sont pas éduqués, faites ce que vous voulez, ils vont vous fracasser. Vous comprenez ce que je vous ai dit là? La sortie du Kamit, c'est l'éducation du Blanc. Alors là, si vous partez sur Internet, vous avez une soirée qui est on m'a dessiné comme un chien, je ne sais pas si vous avez vu le... Bon, il y a une image qui s'existe de moi sur Internet, j'ai un chien en humeur, hein? C'est toi qui m'a envoyé ça, même. Voilà. Mais c'est qui ce fou là?
C'est qui ce fou? Philippe, c'est pas notre ami. Ah non, il dit, ah non. Ah non, nous venons. Comment un camé peut dire que le blanc, c'est pas son ami et il dit il est d'Atoum? Comment? Si Atoum est la source de toute chose, donc le blanc est dedans. Détester le blanc, détester Atoum. C'est logique. Ah ben non, ça passe pas. Parce que nous avons l'ego aujourd'hui, parce qu'on n'a encore rien compris. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si nous, les mélanodermes, nous ne comprenons pas ça, on ne va pas s'en sortir. Mais il faut d'abord commencer par soi-même aussi. Parce que si on n'est pas éduqué, si on n'est pas éduqué, on ne pourra pas aider les autres. Parce que dans l'histoire de l'humanité, nous les mélanodermes, nous avons toujours été des civilisateurs. Et c'est ça que nous devons reconquérir. Mais pas en détestant l'autre. Parce qu'il a besoin de nous. L'autre a besoin de nous. Il faut que vous compreniez ça. Nous ne sommes pas noirs par hasard. Nous sommes la fusion de toutes les couleurs de l'humanité. Nous sommes l'essence de la Terre. Nous sommes le sel de la Terre. Si on n'a pas compris ça, on sera égaux, on va s'auto-détruire. La pauvre année, regarde, c'est pas qu'il n'y a que pas les blancs, les chinois et tout, mais nous détruisons nous-mêmes entre noirs. La haine entre nous les noirs, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, soit dit les noirs sont unis. Je dis, de quel nom tu parles? Bon, ça, les noirs, je les cherche encore, hein, je cherche encore, les noirs unis. Parce que s'il y a un peuple uni sur la Terre, c'est les blancs. On a tué cette personne à Paris, lors de Charlie. fallait voir qu'est-ce qu'un blanc. D'abord, tous les présidents du monde devaient être là. Il y a Yiboni, machin. Il faut venir pleurer. Hein. Ah oui, non, vous venez pleurer là. Tu pleures pas devant ton aide du pouvoir. Non. Pour vous montrer, quand on attrape un seul Français en Afghanistan, c'est l'armée française qui va libérer. Mais est-ce que tu connais le Camerounais qui est en prison en Afghanistan là? On s'en fout. Quel autre président au gouvernement africain ou bien noir du monde qui s'intéresse au sort des noirs? Ça n'existe pas. Nous sommes la communauté la plus divisée de la planète. Oh, les Chinois nous prouvent aujourd'hui, ils sont unis, pour la première économie mondiale, tout ce que nous connaissons. Voilà pourquoi le problème, c'est nous qui sommes malades. Tu comprends ce que je veux dire? C'est nous qui sommes malades. Et nous pensons être des guerriers. Quels guerriers? On nous tape. On nous tape parce qu'on est dispersés, on est divisés. Or, ça aussi, c'est un problème parce que nous pensons que nous sommes forts, nous pensons que nous connaissons. C'est ça le problème avec les Noirs. Les Noirs pensent qu'ils connaissent, alors qu'ils ne connaissent rien. Donc, pour nous répondre à la question, tout ça pour ma soeur, l'Africain a un problème. C'est que son ego, son astral, est désordonné. Et ce qui fait que, si nous ne rééquilibrons pas, et nous ne puissions pas nous rééquilibrer, le monde ne va pas changer. Parce qu'on va continuer à se plaindre. Et les Occidentaux, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, ils se réveillent. Hein. Je parle de la spiritualité. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans les cercles occidentaux, il y a des méditations, mais nous, on ne fait rien du tout, les Africains. Aujourd'hui, par exemple, la sœur lance un centre de yoga, normalement, il devait avoir 10 000 noirs ici. Ah non. Si c'était une blanche, les blanches devaient être là. Regardez, ils sont en bas du goudron, là, la queue. Elle a un. Parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils savent qu'on veut, changer. On veut. Là, le nord, je connais déjà. En fait, je m'en fous, en fait. Voilà. Et ça, là, c'est que on doit d'abord te guérir. Tu vois qu'on est malade, hein. C'est nous d'abord. On se guérit. Et après, on peut dire à l'autre, aidons-les. Mais l'autre, en ce moment, c'est lui qui va nous aider. Parce que c'est lui qui commence à comprendre même la réalité en question. Oh non, l'occidental, même tu. Mais j'ai vu les respirationnistes à Paris. Le blanc qui ne mange pas pendant 3 mois. T'as déjà vu ça? Hein, le codard qui ne mange pas. Le matin, il est devant le soleil, il ne mange pas. Je pense que vous connaissez les respirationnistes. Et le courant végan. Ah, mais laissez tomber. Hein. J'ai dit, c'est bon. Là, l'Occident, bravo. Les mecs, quand ils voient le son de poulet, là, ils peuvent tomber. Il y a un blanc qui ne mange pas le poulet. C'est pourquoi? C'est bon. Mais c'est ça le problème. Nous, on n'arrive pas à comprendre ça. On est des assassins ambulants. Quand je dis aux gens que la tradition africaine d'aujourd'hui a été infiltrée par des forces qui nous dépassent, les gens me disent, de quoi tu parles? Nous sommes la seule tradition au monde qui, en fait, en parenthèse, hein, l'Asie aussi, parce qu'on est très connecté avec eux. Avant de parler aux ancêtres, il faut tuer d'abord. Hein, tu vois le poulet du village, il faut l'égorger d'abord. Mais c'est sanguinaire et c'est isthéphétique. Ôter la vie n'est pas matique. On ne fait que ça. Toutes les traditions aujourd'hui, tout le continent africain verse le sang pour parler aux ancêtres. C'est quelle sorte de tradition ça? On dit que c'est la tradition des ancêtres. Quand tu contredis ça, on te tape. Alors, il n'y a même pas. Vous voyez donc, en fait, nous sommes devenus très très dangereux pour nous et pour les autres. Mais les autres se réveillent, les autres prennent conscience. Il y a ils ont des soins de Reiki, ils créent des choses extraordinaires, les Occidentaux. Ils ont des villages qui sont en train de construire. À Montréal, ici, il y a des villages, des blancs comme ça. Il faut que le médicament de matos soit. L'Africain, si tu le disais, il va devenir la guider. Hein.
Ah, mais non, attendez. Nous, au Congo, c'est la sapologie d'abord. Attends, la chaussure. Toi, tu veux pas de quoi là. Vous voyez, donc en fait, c'est à nous. C'est nous qui sommes malades. C'est nous actuellement qui sommes malades. Mais si nous ne faisons pas attention, Kimbangu, notre initié au Congo, nous avait dit ça. Kimbangu avait dit, les blancs seront des noirs et les noirs seront les blancs. Et nous, on a dit, oh, il a fumé ce vieux. Mais nous sommes en train de devenir ça. Nous sommes matérialistes à haut niveau. Au Congo, pour construire, quand tu as le poste, il faut montrer que tu as réussi dans la vie. Ah, l'Africain avec des diplômes d'estompé, j'ai un doctorat, hein, je parle 4 langues. Tu vois ce que je veux dire? Les Occidentaux s'effacent aujourd'hui. Ils s'effacent. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a des blancs, vous comprenez, il y a un système. Mais je vous montre que dans ce système, là, il y a des blancs qui disent. Alors qu'avant, tout le monde était pareil. Tout le monde dans leur peuple, tout le monde était pareil. Ils venaient, ils fracassaient, ils tuaient, ils mangeaient et tout ça. Mais aujourd'hui, dans leur peuple, il y a des gens qui disent ah non. Attention. Voilà. Oui. Juste une dernière question. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Que dites-vous du vaudou? Mais c'est une tradition africaine. Mais je précise seulement, partout où on verse le sang, et c'est fatigué. On s'attend de faire un jugement. Je ne peux pas te dire si bien ou pas bien. Bien. Alors je te dis quelque chose. Il y a le ressenti. Quand tu rentres dans une salle où il y a une pratique vaudou, ouais, c'est ça, ouais. Si tu as le ressenti comme c'est vraiment par un homme, tu pètes les plans. Je pense que la fête dernière, on a goûté à ça avec pas de goût. Tu pètes les plans. Comment une spiritualité peut miner une salle? Alors cette salle-là, c'est pour ça que Cassandra, t'es forte. Non mais quand tu rentres dans cette salle, tu te dis mais c'est pas possible. Il y a de l'énergie. Et pourtant les gens viennent faire du yoga. Normalement, vous avez laissé des bribes d'informations que nous, à l'école, on appelle les mazou, les bruits. Les informations éphétiques, négatives, mais c'est, tu sens de l'énergie matique. Surtout avec ces tableaux-là. C'est pas dire parce que je crois à la personne qui fait ces tableaux, magnifique. Il y a des choses qui sont ici que seul celui qui va de l'autre côté peut voir. Voilà, c'est. Voilà. Je pense qu'il faut que je la parce que faut qu'on se croise. C'est très intéressant. C'est ça. Et le vaudou, c'est. Le vaudou, c'est une tradition africaine. Alors, matique ou éphétique, c'est à toi de voir. Mais sauf que s'il y a le son, c'est pas bon. Voilà, c'est que ça que je veux te dire. Je ne vais pas dire que le vaudou, c'est pas bon. Non, c'est bon, merci. C'est... Hein? Je... Voilà. Les vaudouisants, mais c'est raciste à Montréal. Non, voilà. Je ne connais pas, je ne connais pas, mais je sais, moi, je suis haïtienne, mais je sais qu'il y a voilà. Là-bas, donc je voulais savoir. Effectivement. Et puis, en gros, toute tradition qui, la personne s'intéresse seulement, a un pouvoir. Parce que quand vous arrivez, par exemple, dans le monde africain aujourd'hui, les gens veulent le pouvoir. Ouais, le pouvoir. Ah, le pouvoir. Et pourquoi le pouvoir si nous sommes multidimensionnels? Parce que, en effet, je ne sais pas si dans le temps, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Lorsque vous voyez nos ancêtres ont commis quelque chose de grave. Je vous dis ça, de très grave. Les ancêtres avaient créé un paradis intermédiaire entre la source et la terre. Entre la 4e dimension et la 3e dimension, ils avaient créé un paradis. Un paradis, ça veut dire. C'est-à-dire qu'un espace où, quand tu meurs sur terre là, tu vas là-bas, tu ne vas pas dans la 4e dimension, tu ne te réincarnes pas, mais tu vas là-bas. Ils avaient réussi ça. Comment? Avec le culte des ancêtres. Ça veut dire que tant que ton ADN est sur terre, tu ne peux pas te réincarner. Suivez-moi bien. Tant que ton ADN est sur terre, tu ne peux pas te réincarner. Pourquoi? Parce que tu es encore sur terre. Ton ADN, c'est ta base de données. Et donc les anciens avaient compris ça. Et donc les gens récupéraient les ossements, les crânes. Vous savez, au Cameroun, on parle de la crânologie. Ils ont gardé les crânes. Ce qui faisait que c'était extraordinaire. Ça veut dire que le vieux qui est mort, mais je peux l'appeler comme je veux. Il vit juste à côté. Et donc, les blancs, quand ils sont arrivés, ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont avoir commencé à décapiter nos anciens et récupérer leur cerveau, leur crâne, amener à l'Occident. Mmh. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, ils ont déterré les pharaons égyptiens, ils ont amené en Europe. Mmh. Nous, parfois, ça me fait mal de voir. Ouais, mais moi, c'est Ramsès, moi, c'est Akhenaton, moi, c'est Toutankhamon. Le mec a le corps à Paris. Hein. Tant que le corps là est là-bas, l'initié là, ne peut pas se réincarner. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, il est bloqué dans un état où il ne peut pas venir vous aider sur terre. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est notre problème. Regardez les. Le débat en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou en ce moment au Burkina Faso, c'est. En fait, est-ce qu'on avait enterré Thomas Sankara ou pas? Vous savez, on a enterré son corps, non? Pour vérifier l'ADN. Parce que les initiés burkinabés ont dit ce n'est pas dans des morts. Lumumba, les Belges l'ont coupé. Ils ont gardé les dents. Ouais. Le noir rit. Le noir dit, oh, sapologie, la fête et tout. Nos initiés sont décapités, les ossements sont gardés. Tant que les dents sont là, l'initié ne revient pas. Faites ce que vous voulez, il ne revient pas. Si on réussissait à récupérer les corps d'Akhenaton, tous ces corps qu'ils ont à Paris,
et on les ramenait dans le rituel de chez nous, les enfants devaient renaître, vous devez halluciner. Imaginez Taotep revenir sur Terre. Imaginez Akhenaton revenir sur Terre. En fait, les gens qu'on appelle Akhenaton, non, les noms ne sont pas ça. Mais c'est extraordinaire. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les autres ont fermé. Et comment on a fait cette erreur-là? Mais parce que, en fait, ce n'était pas une erreur, parce qu'on n'imaginait pas qu'il devait y avoir un peuple très féroce qui devait venir casser ce système installé. Parce qu'on avait un système de paradis. Ta maman est morte, tu peux parler avec elle. Tu vas voir quelqu'un, un gars, tu dis, je vais parler avec maman. Maman revient. Parce que maman n'est même pas dans la quatrième dimension et elle ne peut pas se réincarner. Alors aujourd'hui, vous voyez là, il y a des esprits errants. Et si vous partez dans un pays où il y a des mélanodères, en Haïti par exemple, chez toi, fais le tour, en fait, tu fais le tour. Là, maintenant, là, descends en Haïti, moi, je dois descendre à Brazzaville, au moins, au Congo, mais il y a une énergie, il s'effectue, tu sens les esprits des morts dans la rue. En fait, je te dis, mais chez moi, mais c'est comme une chaleur bizarre. C'est tous les corps de nos anciens. Ils sont là, ils sont dans la rue comme ça. Et nous aussi, nous sommes là. On s'en fout, est-ce qu'on s'occupe de ça? Parce qu'on n'a rien compris. Voilà pourquoi les Dravidiens, en fait, en Inde, quand le Goderme, je précise, il s'est fait croire attaquer les royaumes de l'Inde, les Dravidiens anciens disent, s'ils récupèrent nos ossements, on est perdu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer à les brûler. On brûle l'ADN, la personne n'est plus là. Et la personne peut se réincarner. Vous comprenez? Et le Goderme dit, oh, maintenant, il faut les choper vite. Si vous voyez comment les Indiens vivent, les Dravidiens, les Noirs de l'Inde, comment ils vivent en Inde, c'est catastrophique. Il y a une des grands initiés de notre temps sur Terre en ce moment, elle s'appelle Ama. Je ne sais même pas qu'est-ce que nous. Normalement, on devait même payer des billets, on devait aller voir Ama. Ama, mais c'est comment? On s'en fout. Ama est l'une des grands initiés de notre temps, de l'âge du Verseau. Elle est sur Terre, mais puisqu'elle est dravidienne, ben ce soir, on s'en fout. C'est, la maman là, c'est extraordinaire. Et les gens qui partent là-bas, qui ont la lèpre là, elle te lèche la lèpre avec sa langue, tu es guéri. C'est hallucinant. Il faut avoir de l'amour inconditionnel pour faire ce niveau-là. Mais elle est dravidienne. Et donc, voilà pourquoi en Inde, ils ont créé des castres. Pour éviter que les Noirs là, puissent se réveiller. Mmh. On a dit, ouais, vous êtes là-bas, restez là-bas, c'est bon, c'est pour vous. Mais nous avons oublié qu'en fait, le tout doit être étudié. Voilà pourquoi je vous dis l'ADN là. On doit étudier ça bien pour comprendre les faits que tant que nous serons enterrés et que le Goderme a tes dents là, t'es mort. Voilà pourquoi au Cameroun, on peut aller déterrer le corps de quelqu'un qui est mort, on l'amène aux plantations. Il bosse un peu 2 ans et puis bon, il devient, même en Haïti, les zombies. Ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on dit, ouais, c'est spirituel, ça ne nous intéresse pas. Ça doit nous intéresser. C'est nos sociétés. Voilà pourquoi le progrès est africain. Ce n'est pas le fait seulement de dire que non, l'Afrique, il faut les routes, l'Afrique, il faut la démocratie. L'Afrique est un problème d'abord d'énergie. L'Afrique, en parenthèse, hein, je parle là où nous sommes tous, nos territoires. Parce que nos corps, nos ancêtres sont des esprits errants. Et les esprits errants, fâchés, c'est dangereux. Voilà pourquoi quand j'arrive en Haïti aujourd'hui. J'ai mon frère haïtien qui est là, mais il s'est dormi, tu hallucines, et pourtant, il y a le vaudou. Mais le mal-être, tu vois le mal-être, c'est-à-dire que c'est une énergie, quand tu arrives, tu es fatigué. Alors regardez bien, tous les Africains font des débats en Occident, théorie, on va construire l'Afrique, on va construire l'Afrique, dès qu'il arrive à Yaoundé là, il ne parle plus. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui l'enlève ses pensées, il ne peut plus parler. Alors qu'il sait, c'est un super kamite. Là-bas, c'est un bébé. Parce qu'il y a des forces qui dépassent un peu les mains de l'homme. Et c'est ces forces-là qu'il faut canaliser le plus tôt possible. Voilà. Oui. J'avais appris dans mes recherches qu'en fait, nos anciens écrivaient l'histoire en avance. Au moins 25 000 ans en avance. Donc, ce qu'on lit, ils ont déjà fait ou projeté. Effectivement. Donc, je me demandais, en fait, pour quelle raison. Ils ont écrit qu'on devait vraiment passer par. Mais on écrit pour que tu changes. Ouais, ils ont écrit ça pour qu'on change. Mais nous, on le vit. Parce qu'on peut faire la bière que. Tu vois, non? Ce qui doit comprendre, c'est quoi? C'est qu'à l'école qui m'entoure, on étudie les cycles du temps, les 26 556 ans. Ah, c'est 26 000. Ah oui, c'est 26 556 ans. Et dans le cycle, il y a 4 temps. En fait, il y a 6 temps. De 4 426 ans, plus précisément. Et depuis 2012, il y a eu des portes qui sont ouvertes sur toute la surface de la Terre. La faute, quand on lui dit ça là, il fait. Ah, ok, c'est fini. Il y a des forces qui sont sur cette terre-là pour aider l'humain à s'émanciper spirituellement. On s'en fout. Et les anciens l'avaient pris, ils l'ont écrit, ça s'est écrit, mais on ne s'intéresse pas. Il y a le papyrus de Ani, je pense que tu vois un peu, voilà. Mais si on savait, si, regarde, tu as le papyrus d'Ani, ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit. Non, le monde, si tu as été dit, ah non, je vais éviter ça. Mais non. On dit, ouais, c'est déjà écrit, c'est une prophétie, donc il faut vivre ça.
C'était pour nous donner le pouvoir de changer. Effectivement. Par exemple, si par exemple quelqu'un va faire un accident et que tu sais qu'il va faire un accident parce que, en effet, il a mangé hier le poulet, il fallait pas manger le poulet. L'énergie du poulet va entraîner son accident demain. Mm-hmm. Si tu le vois, tu dis qu'écoute, tu vas faire un accident demain. C'est pas pour que tu fasses un accident. Pour que tu dis comment éviter de faire un accident. Puisqu'en effet, j'ai la possibilité de repartir changer. C'est-à-dire, je repars dans mon passé, j'enlève le poulet et puis je fais pas d'accident. Et tout ça, c'est des techniques qu'il faut apprendre. C'est très important. Donc prédire n'est pas une erreur. Ah non, mais on fait que de la prédiction. Quand je me projette, mais vraiment quand tu vas voir quelqu'un qui te donne ton... Ah non, mais là c'est dangereux. Alors je vais vous poser quelque chose. La spiritualité, il n'y a pas d'intermédiaire. Toute spiritualité avec intermédiaire, c'est fétique. C'est-à-dire que vous devez comprendre que... Je prends un exemple. Une fois, je pense que c'est avec Bobel. Je ne sais pas si... Il y a une fois, je parlais... Je pense que c'est avec Bobel. Vous voyez par exemple la science du Reiki. Quand vous faites la science du Reiki, par exemple, qui est une manipulation d'énergie, la personne qui doit être maître Reiki doit être chargée positivement. Parce que si la personne-là est chargée négativement, t'es mal barré. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut te transmettre ses énergies. Quand tu vas voir, par exemple, une voyante ou un voyant, automatiquement, il utilise le bas astral. Alors là, t'es mal barré. Pourquoi tu deviens pas voyant? Vous comprenez? C'est des choses qui doivent comprendre, des lois que nous avons brisées, parce que nous pensons qu'en consulter, c'est bon. Non, deviens ce que tu veux changer. Ne change pas parce que tu penses. Parce que lui, il va utiliser les énergies astrales qui vont te suivre toute ta vie, qui vont pourrir ta vie. Voilà. Il va te dire des choses parfois qui n'étaient pas dans la ligne de vie, mais qui sera dans cette ligne parce que tu as su. Alors tu devais le changer si tu ne savais pas. Ou bien si tu savais en tant qu'initié. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des choses comme ça qu'il faut que nous puissions commencer à comprendre. Et puis changer. Voilà. Merci. Oui. C'est une question par rapport aux ancêtres. Ça m'a un peu choquée. Effectivement, je fais que ça. Ça m'a un peu choquée parce que ces temps-ci, c'est pas mal les ancêtres, les ancêtres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je te montre quelque chose. Un ancêtre qui s'est réincarné. Hein? Exemple. Tu pries qui? Bon, toi tu as pas prié. C'est parce qu'on a oublié les principes. La réincarnation est un principe fondamental de la vie sur Terre. Mm. Quand ton ancêtre se réincarne, imagine que Thomas Sankara s'est réincarné, ben, et d'aujourd'hui, il est, je ne sais pas où, en Afrique du Sud, un bébé de 4 ans, je ne sais pas, exemple. Hein. Oh, Thomas Sankara, Il n'est pas là-bas. Il est en Afrique du Sud. Voilà pourquoi, dans la tradition occidentale, même en Afrique, puisque les Blancs maîtrisaient l'astrologie, ils avaient la capacité d'attendre le retour du bébé. On va le tuer. Ah, oh, il va naître où déjà? Oh non! À Douala! Alors, ils sont à Douala là-bas. Ils attendent parce qu'ils savent que le 25 décembre 2000, machin, il va naître. Donc il faut buter. Donc il va brûler la zone, ils vont tuer les bébés. Ils ne savent pas c'est qui, on va le tuer. Et ça a fait l'histoire de l'humanité. Parce que les anciens regardaient qu'ici, ils reviennent là. Non, mais notre business va tomber. Puisque le business va tomber, il faut retarder cela. Voilà pourquoi chez nous, au Congo, il y a des choses comme ça. En Manzako, en fait, en Angola, où les Portugais, quand ils sont arrivés, parce qu'ils ne voulaient pas que le Congo était considéré comme étant le royaume du prince Jean. L'un des royaumes africains, bon, vous connaissez l'histoire. Quand ils sont arrivés, les Portugais sont arrivés en Afrique, ils cherchaient le royaume du prince Jean. Et quand ils sont arrivés là-bas, vous savez l'histoire de Jeanne d'Arc, donc on raconte en France, Jeanne d'Arc brûlée au bûcher. C'est une Congolaise. Hein. Jeanne d'Arc, c'est une Congolaise. Il s'appelle Kimpanvita. La Vierge Kimpanvita a brûlé au bûcher. Mais en France, on l'appelle Jeanne d'Arc, elle est blanche. C'est une histoire qui se passe en Afrique. La question que je devais vous poser, c'est que, est-ce que Jeanne d'Arc peut se réincarner? Oui. Pourquoi? On l'a brûlé. Quand on te brûle, tu peux te réincarner. Ou pas. C'est-à-dire tu peux faire l'ascension. Si tu atteins un niveau de maturité énergétique. Mais si tu réincarnes, ce sera dangereux pour eux, puisqu'en fait, tu es en état d'évolution spirituelle. Et donc, ils vont attendre quand tu reviens. Ils vont t'attendre. C'est-à-dire que, oui, il va être en Haïti. Ah, qui? Oh non. Par exemple, Dessalines va revenir en Haïti. Ah, mais écoutez, foutez la merde, c'est rien. Si on revient là encore, on va faire comment? Déjà, pour calmer un seul de ces gens-là, c'est compliqué. Ce sont 10 là. Quoi. Donc, en fait, il y a des élites dans les traditions occidentales qui sont là, dans l'ordre qui s'est fait, à la recherche de tous les leaders qui vont revenir pour les buter à la main. Il faut créer des guerres là-bas pour éviter qu'ils reviennent. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on s'en fout. Non, est-ce qu'on s'intéresse à ça? Non. Mais c'est ça le problème. Il faut s'y intéresser. Parce que nos anciens, beaucoup reviennent. Beaucoup reviennent. Mais on les bute. Vous voyez la guerre. Oh, la guerre en Mali. Oh, pétrole. Et c'est fini. La guerre en RCA. Pour savoir, il faut s'intéresser à l'astrologie.
comment ils savent qu'il va venir? Mais parce qu'ils étudient les ancêtres depuis qu'ils ont tué ces gens-là. Et puis, il y a une technique fondamentale qui existe depuis des millénaires où la conscience de l'homme peut rentrer dans un corps. Il y a des gens sur Terre qui sont immortels par téléchargement informationnel. Je prends un exemple. Napoléon, oui. Napoléon est là, c'est un bébé, il a grandi. Il est presque à la mort. On le prend, on le met dans un bébé. Il grandit, grandit, on le prend, on le met dans un bébé. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Le mec a 2 millions de connaissances, il est sur Terre, il regarde le monde. Et nous, on ne sait pas ça. C'est-à-dire, nous, on voit, ouais, le président, c'est qui? Oh non, il s'appelle Hollande, ou bien il s'appelle, je ne sais pas, Obama. Non, on le voit comme ça. Mm-hmm. Mais si vous savez les technologies qui existent dans ce monde, la transférabilité informationnelle d'un corps à un autre, ça se fait depuis des siècles, depuis des millénaires. C'est depuis l'Égypte pharaonique, ces choses-là se passent. Et malheureusement, on a perdu ce contrôle. Voilà pourquoi les ancêtres, c'est bien. Alors, le culte des ancêtres ne peut se faire que pour les ancêtres déifiés. Les ancêtres divinisés. Ceux qui ont fait l'ascension. Tu as une idée de ceux qui ont fait l'ascension? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le mbongi. On n'a plus les sièges, le lieu où les anciens se retrouvaient pour vérifier exactement quel est l'ancêtre qui est parti et l'arnaqueur qui est resté. C'est pas parce que c'est ton grand-père qui forcément c'est un ancêtre. Imagine que c'est un masturbateur. Tu es dans les toilettes avec lui? Non. En quoi il est ton ancêtre? Mais tu ne le sais pas. Donc tu vas le prier. Et en le priant, tu lui crées les ingrédients. Et tu t'en sors. Oui. Parce que faut voir l'heure aussi. Hein. Cassandra, faut t'arrêter. Là. Il reste 2 minutes. 2 minutes, non? Oui. Je veux plus revenir sur la terre si la réincarnation existe. Parce que bon, moi, je ne connais pas la réincarnation. Oui, oui. C'est à peine que je commence à faire des recherches. Ouais. Alors, je veux dire, est-ce que, premièrement, est-ce que je peux le décider? Puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a un niveau qu'il faut se rendre? Parce que moi, je dis revenir sur cette planète. Donc. Alors, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais la réincarnation, c'est une anomalie. Il faut que je te précise ça. La réincarnation est une anomalie. C'est pas, l'homme n'est pas fait pour se réincarner. Okay. On se réincarne parce que nous avons des alliances. Je prends un exemple. Quand tu te mets en colère, tous les jours quand tu te mets en colère, en fait, chaque fois que tu te mets en colère, tu signes des alliances avec des forces supérieures de la colère qui gèrent notre planète. Ça veut dire que tu signes un contrat avec eux et ce contrat ne peut être brisé si tu payes la dette, si tu te mets plus en colère. Alors ça, c'est pas eux qui t'ont appelé, hein? C'est toi qui as dit, ah non, contrat. Donc, c'est pas parce que tu dis je ne veux pas me réincarner que tu ne vas pas te réincarner, parce que tu ne réincarnes pas parce que tu as décidé de ne pas te réincarner. Tu te réincarnes parce que tu as des alliances. Tu reviens parce que tu as signé des contrats sur terre. Voilà pourquoi il faut de l'amour. Seule la personne qui a l'amour inconditionnel peut quitter la terre. Alors, imagine quand tu te mets en colère. Alors, quand je te mets en colère, quand tu piétines la fourmi, tu vois la fourmi, non? Tu es mal barré. Quand tu manges ton petit poulet là qui te parle là, tu vois le petit poulet de trouver là. T'es mal barré. Tu te fais des alliances. Tu tues des âmes en activité. Eux aussi, ils sont en progression énergétique. Tu les ôtes la vie. Et donc, en fait, tu te fais des alliances. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tu crées des réalités et tu dois revenir. Parce que tu as décidé de revenir. Personne t'a dit de te mettre en colère. Personne t'a dit de te fâcher. Personne t'a dit d'injurier. Personne t'a dit de. C'est toi qui décides de ta vie. Alors, ce que tu dis est très intéressant. Je ne veux pas revenir. Alors, aime. Tu n'aimes pas, tu reviens. Tu suis la logique? Voilà. Et ça, c'est difficile. Voilà pourquoi les gens disent, ouais, ouais. Voilà pourquoi les anciens se sont dit, puisqu'on a tous ces arnaqueurs VIP, on va créer le monde ici. On va créer le réel. Alors que le but, c'est de devenir un éther. Ça veut dire revenir, devenir Osiris, comme on dit aujourd'hui. Mais on s'en fout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'intéresse à devenir Osiris ou pas? Voilà. Au moment qu'on prend conscience de ça, on ne peut pas changer. Ah oui, non, quand tu es conscient de ça, tu changes. Okay. C'est pour cela qu'il faut être conscient. Alors, oui, tu peux changer. Okay. Mais la majorité ne sont pas conscients. Ok, c'est bon, merci. Oui. Quand est-ce que les cours vont commencer? Ah. Et le prix? Ah, ok. Alors, puisqu'on a dit de faire les cours en salle, donc on va commencer la deuxième semaine. Le 6. Le 6. Non, le vendredi, c'est 6 ou 7? 6. Le vendredi 6. On commence les cours en salle, donc on va faire ce programme-là. Donc, il y aura les techniques et toutes les cours. Donc on va commencer le vendredi 6. Les cours vont se passer de 19h30 à 21h30, ouais. Hein, c'est ça. On va d'abord commencer les vendredis. Après on va voir par rapport aux gens qui vont pour créer d'autres jours, d'autres... Voilà. Donc, j'ai d'abord créé une journée, parce qu'il fallait commencer quand même quelque part, afin de pouvoir avancer. Voilà.
Et donc, pour ce qui concerne les prix des cours hein, ici à l'école, alors, puisqu'on a mis les cours en salle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé des cours. Alors, je prends ma planche parce que il a, je n'ai aucune idée encore là. Excusez-moi. Voilà. Alors, je vais faire passer. Regardez, et puis voilà. Donc, je vais passer. Voilà, donc j'ai fait ça. Et. Ok, je vais voir les prix derrière. Alors, oui. Alors, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas. En fait, il y a des gens qui font les cours en ligne, comme je vous ai dit, qui font les cours par correspondance en ligne. Et vous voyez là, par exemple, sur les cours par correspondance ici, vous voyez en bas ici, vous avez $60 canadiens par mois. Pour ceux qui sont sur Internet, ceux qui font le cours en ligne. Par contre, puisque là, nous sommes en salle, on a mis les cours à $75 par mois. Hein? $75 par mois. Et alors, quand vous prenez $75, quand vous faites fois 3 mois, vous avez quelque chose de $225. Et donc, ici, vous avez vu ici, là, les 3 mois, on a mis ça à 200. Ceux qui payent par 3 mois, ou bien ceux qui vont payer par mois. Donc, ça dépend de vous. Soit vous êtes par mois, ou soit par 3 mois, tout dépend de vous. Alors, après, de l'autre côté, j'ai mis les couples. Parce que les couples, ça m'intéresse beaucoup. Hein? C'est les couples ici, ceux qui sont en couple, par exemple. Au lieu d'avoir 145, quelque chose comme ça, non, 150, on a mis à 125, hein, le prix qui est là. 125 en couple, deux personnes, et puis 350 encore, au lieu d'avoir quelque chose de 350 et 3 mois. Donc c'est ça, je pense que c'est la question que tu as posée. Donc j'ai fait ces flyers là pour ceux qui vont s'y intéresser. Voilà, ceux qui vont s'y intéresser. Et puis voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des conditions? Les conditions par exemple? Les conditions? Il faut juste remplir. Oui, vous remplissez. Savoir s'il y a une sorte de d'entonnoir. Ah, d'entonnoir. Non. Oui, alors, les enfants, on va lancer. Alors, là, pour le moment, les cours, ça, là, c'est pour les grandes personnes. Hein, je vais dire comme ça. Alors, on va lancer les cours des enfants après, parce qu'on va lancer un cours sur l'écriture, la calligraphie, pour nos enfants, le Bandombé, qui sera fait, mais vous serez formés par la suite. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est les enfants. Parce que nous avons un problème dans notre communauté, ce qu'on disait à la fin de l'année, comme parle des hommes, c'est que nous sommes la seule communauté qui ne s'intéresse pas à nos enfants. C'est catastrophique. On attend d'abord qu'on les formate et puis on va commencer à les éduquer quand ils sont grands. Toutes les autres communautés ne font pas ça. Et eux, c'est les enfants parce que c'est l'enfant qu'il faut former. Nous, ben, on est bien pour quoi, entre parenthèses. Vous voyez, non? Donc, mais ça va venir, il faut d'abord qu'on commence quelque part et puis on va lancer les plans des enfants et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai vraiment une question. Oui. Dans tout ce que vous avez dit, on dirait que vraiment, on est libre d'aller chercher toutes ces informations à l'intérieur de nous, dans l'univers. Mais c'est quoi la place de Dieu dans tout ça? La bonne question. Dieu. Alors, il faut comprendre une chose. C'est que là, à l'école Kemonto, nous sommes une école spirituelle. Et Dieu est souvent lié à la religion. Alors, dans la tradition Kongo, ce que les gens appellent Dieu, ce n'est pas un papa avec la barbe qui vit au paradis. Parce que c'est ça la notion du Dieu. Or, il s'avère que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes la manifestation individualisée de la source. Ça veut dire, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes Dieu manifesté. Donc il y a un Dieu. Oui. Mais c'est toi dans la troisième dimension. Tu comprends? Ça veut dire que tu peux parler à Dieu, que si tu comprends que tu es Dieu qui est dans cette réalité et qui doit te parler à toi-même, mais de l'autre côté. Je sais, mais de l'autre côté, je me dis, et l'autre, il est où? Qui est l'autre? De toute autre dimension. Alors, je te montre un exemple. Tu vois, quand tu regardes la télé, tu as RDI et tu as TVA. C'est deux chaînes différentes. C'est la même écran de télévision, non? Quand tu mets RDI, où va TVA? Il y a encore sur les ondes. Très bien. Donc, il y a des ondes. Et des ondes, c'est des espaces, des mondes. Et des mondes, là, il y a des êtres qui vivent dedans. Il faut que tu comprennes ça. Mais ça, ça va aller doucement, doucement. Voilà pourquoi on dit que l'univers est multidimensionnel. Voilà pourquoi, vous voyez, au début, je vous ai montré l'univers et puis le point dans lequel nous vivons. Ah, c'est plus complexe que ça. Le plan, vous voyez, là, nous sommes dans un système qu'on appelle le système pléiadien, avec Alcyone comme notre noyau central.
et la confédération d'Alcyon. Alors, si vous savez comment le monde fonctionne, vous avez pété les plans. Aujourd'hui, nous sommes comme des gens, comme je l'ai dit, en prison à ciel ouvert. Ouais. Mais le monde a des mystères incroyables. Mmh. Ça veut dire que l'univers que vous voyez, il y a, est-ce que je dois le dire même, bon, il y a des êtres qui vivent ailleurs. Mais est-ce qu'ils sont supérieurs à nous? Ah non, non, pas. Il ne faut pas voir ça comme ça. Celui qui est à la quatrième dimension est différent de toi. Or, toi, tu vis dans la quatrième dimension. Tu vis aussi dans la cinquième dimension. Tu es déjà dans la quinzième dimension. Le problème qui se pose, c'est que ta conscience actuellement vit dans la troisième dimension. Il faut que tu te connectes à toi-même. Toi-même de la quatrième. Puisque tu es déjà dans la quatrième. Le temps n'est pas continu. Le temps est simultané. Ça veut dire qu'en effet, je te prends un exemple. On dit que Dieu est alpha oméga. Mais d'accord. Si alpha oméga, c'est que si soit il va mourir quand il aura 60 ans, Dieu il vient là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le temps que nous avons en continu est une illusion de la pensée, c'est un conditionnement. Voilà pourquoi quand tu... Je sais pas quand on est à l'école, quand tu fais les devoirs, quand c'est difficile, le temps passe vite. Tu dis, ah, il me reste 2 minutes, ah! Je me mets le temps. Parce qu'en fait, le temps, ça parle de perception. Ouais. Quand la chose est très bonne, là, ça ne dure pas. Mm. Mais comment savoir si cet être, cette source, elle est... bonne ou mauvaise? Ah, la bonne et mauvaise, c'est une mauvaise question, parce que ça n'existe pas. Il s'est fait, c'est mon pote, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et Seth, c'est notre grand-père. Je vais parler avec Seth et Seth, vous comprenez. Seth, il s'est fait, ou bien Matt et Horus, ce sont les deux faces de la même pièce. C'est comme si, moi, je suis là, je me sois dit, Matt me dit, aime ton prochain. Et je dis, ah, je dois aimer, hein. Méditation, aoum, aoum, aoum. Je dois aimer, aoum, aoum, aoum. Alors, Seth, lui, ben lui, il vient comme un évaluateur. Tu veux dire, hein? Pas le mal, l'évaluateur. Pour vérifier si tu as maîtrisé l'amour. C'est comme si tu faisais des arts martiaux et tu apprends les katas des arts martiaux. Et que lui, il vient pour t'évaluer. Mm-hmm. Mais t'évaluer ne veut pas dire te détruire. T'évaluer, c'est pour voir si tu t'as bien ton coup de poing. Et donc, à partir de là, quand j'entends que c'est le mal, je dis, mais de quoi il parle? Le mal est une illusion de la pensée. Il y a le mal que lorsque tu rentres dans la réalité de l'autre, quand tu commences à juger l'autre. Voilà. Voilà pourquoi, si vous comprenez ça, vous allez comprendre que les sorciers le savaient. Ils savaient mal et il s'est fait. Mais pour être pharaon en Égypte, il fallait être béni de mal et il s'est fait. De Seth et de Horus. Vous vous souvenez, Ramsès est debout, il a Seth à Ankh, Seth, hein, il a Ankh, et puis Horus à Ankh. Et les deux bénissent le pharaon. La question qu'il faut se poser, c'est que, ah, mais attends, le pharaon, c'est un arnaqueur. Comment il collabore avec Seth? Mais sans Seth, comment il va contrôler les tremblements de terre, les pandémies, les épidémies et toutes ces choses-là? Il faut avoir l'alliance avec Seth pour avoir le contrôle sur la nature. Il s'est fait tic. C'est comme un rayon d'eau, en fait, la réalité dans laquelle nous vivons. Et nous, nous sommes ici dans l'eau. Vous voyez, par exemple, si je mets, par exemple, là, c'est la limite d'eau, hein, la limite d'eau. Quand le rayon vient, alors imaginez, ça c'est un rayon, c'est Maat, c'est la source, c'est l'harmonie. Le rayon descend, descend, descend et tombe sur l'eau, boum. Ce qu'on fait la science là, qu'est-ce qui se passe après? Quand le rayon tombe dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Comment le rayon va se comporter dans l'eau? Il va dévier. Il était, par exemple, dans la verticalité ici, dès qu'il touche l'eau, il va dévier. Il devient ses fêtes. Nous sommes dans un monde déformé. Un monde de miroir, mais c'est le même rayon qui est en activité. Voilà. Donc il n'y a pas de retour de JC et tout ça? Ah, JC! C'est compliqué. Mais vous savez, sur JC, il n'a pas tort. Hein? C'est nous qui ne comprenons pas ça, c'est nous qui jugeons mal. JC, que vous entendez mal, les grands initiés en Occident savent ce que ça veut dire. Et c'est, ils ont fait quelque chose de... Moi, je dis qu'ils sont des génies. Les Occidentaux ont personnifié le cycle. Il fallait être bon pour faire ça. Au lieu que les gens soient là tous matheux, c'est-à-dire dans une société, tout le monde est mathématicien comme en Afrique, là. Ils ont dit, est-ce que tout le monde comprend les maths ici, là ou non? Mais comment les expliquer le solstice d'été et le solstice d'hiver sans pourtant connaître la géométrie spatiale? On a dit, bon, en fait... Vous voyez, Jésus, là, le Fils de Dieu, il est né le 25 décembre. Mais quand vous connaissez le déplacement du soleil dans l'espace, vous comprenez c'est qui? Jésus. Et eux, ils ne se cachent pas.
Quand vous partez voir un prêtre catholique sérieux, il va vous le dire. Quand je vais voir un rabbin juif, les juifs, rabbins de la Kabbale, te le disent, Noé n'a jamais existé. C'est nous qui sommes fous, c'est nous les Africains, en fait, les Noirs qui disent, ouais, Noé, il est mort. Mais eux, ils ne le disent pas. Pour eux, Noé, c'est quoi? C'est la descente de la conscience divine de la matière. Et dans la tradition judaïste, ils traversent les 10 niveaux d'évolution de conscience. Et ils descendent dans le corps physique. Comment? Par le corps éthérique. Vous savez, l'éther, c'est le monde de l'eau. Voilà pourquoi le bateau dont on parle tout le monde, qui était sur l'eau, était dans l'éther. Et à partir de là, Noé rentre dans l'arche avec 3 enfants, garçons, 3 filles. Les 3 garçons et les 3 filles, et Noé et sa femme, constituent les 7 chakras. Mais ça, on s'en fout. Mais les juifs le savent. Voilà pourquoi quand Noé, après 150 jours dans l'arche, vous savez, hein, pas 152, pas 153, 150 jours, qui en numérologie renvoie vers 15 dimensions, les 15, les 5, 3 fois 5, le 3 fois 5, vous avez Noé qui sort de l'arche. Et qu'est-ce qui se passe? L'arc-en-ciel, qui regroupe les couleurs des chakras. Mais est-ce que ces choses-là, le juif dit, oh, venez, venez, non, il dit, oh, les noirs, oh, le Seigneur. Parce que le noir, le pauvre, mais c'est vrai, est-ce que c'est la faute de l'autre? La Bible n'a jamais été écrite dans une écriture que vous pouvez imaginer. Quand vous entendez parler de l'hébreu, l'écriture hébraïque, c'est des maths. Vous suivez ce que je dis là? L'hébreu, c'est des maths. Quand vous dites Aleph en hébreu, c'est 1. Bêta, c'est 2. Gibet, c'est 3. Ça veut dire que quand vous entendez la fête, elle dit, ouais, au commencement, Dieu crée cette terre. Et les moments, les juifs disent, mais quand il parle, il a dit que la Bible a dit. Il dit, mais la Bible, il faut être matheux, il faut lire 4550, 3242, 7027. C'est comme ça. L'hébreu, c'est une écriture mathématique. C'est numéraire et un vocabulaire en lettres, en fait. Vous voyez, à partir de là, ce que écrit la Bible, l'encodé dans un langage. Un langage que nous, en quelque sorte, on appelle Ndinga Diamanmouni, que les Occidentaux appellent la langue des oiseaux. Et ça, vous devez comprendre ça. Et souvent, j'entends les Africains, mes frères, qui disent « Ouais, ouais, l'Afrique, en fait, nos langues ont des mystères, la langue des Blancs n'a pas des... » Mais de quoi vous parlez? C'est comme quand vous dites en français « passage ». Non, non, le passage. Ben, le passage, c'est le pas sage. Le pas de la sagesse. Vous pensez que le Blanc qui écrit, c'est un bête, un idiot? C'est comme lorsque vous dites par exemple, quand l'occidental, là il veut dire passer, mais quand il vous dit par exemple permission, c'est la mission du père. Ah, va donner la permission à ton papa. Le père l'a dit, il a dit permission. Mais c'est sa langue. Il comprend ça. Mais l'Africain dit, ouais, mais dans la langue là, ça veut rien dire. C'est comme quand disons mot, le mot mot. On dit, ouais, le mot mot, ah, mais c'est mot. Mais ils ne lisent pas le T de la fin. Comprenez bien cela. M-O-T. Et quand vous prenez le O-M, quand vous l'inversez par les femmes, vous avez le Om, le Aum, le mantra des Tibétains, en fait, des hindouïdes, des Tibétains et tout ça. Et le même Om vous donne Om de l'homme, le mot, hein, le mot mot. Vous pensez qu'ils sont fous? Mais ils ne sont pas fous. Toutes les langues du monde sont codées. Et ceux des initiés le savent, dans toutes les traditions. Et ceux qui parlent le français, l'anglais, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Ah, la fête de Noël s'approche. Non, elle. Elle, c'est Elohim, c'est El Shaddai, pas de Dieu. Ah, on aurait fait, ah, Noël, oh, mais Noël s'approche. Mais est-ce qu'on sait même ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas la langue de l'autre. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on n'a pas la langue de l'autre, on n'a même pas notre propre langue aussi, on ne connaît pas nos langues. Donc, en gros, on est perdu. Tu vois, en effet, chère ma soeur, toutes les langues dans le monde, toutes les choses ont une structure énergétique. Voilà pourquoi il faut se réveiller et prendre conscience que nos langues doivent être étudiées. Et puis je crois comme ça. Tous les mots en français, tous les mots en anglais, tous les mots en chinois, tous les mots ont un sens caché. Il faut que vous compreniez ça. Mais c'est réservé aux initiés. Vous pensez que les maçons, quand ils font des réunions, ils disent « Ah ouais, ouais, t'as mangé le pain ? Ah ouais. Non, mais toi, comment va ta femme ?» Les gens travaillent sur l'architecture. Mais il y a des moments, quand je me balade à Montréal, quand on voit les cathédrales ici à Montréal, vous hallucinez. Il y a une géométrie dans les églises ici, les cathédrales, je dis, oh, c'est pas possible. Mais c'est parce que les gens ne savent pas que les cathédrales, c'est l'utérus des femmes. Et quand vous voyez la porte de cathédrale, faites attention, allez, mettez-vous debout là. Regardez bien ces choses-là, vous allez dire que non, mais c'est pas possible. Les anciens, c'est des monstres. Mais les blancs le savent, c'est eux qui ont construit ça. Tu vas dire, non, je suis sympa. Tout ce que tu as fait, ça ne veut rien dire. Ah non. Ah non, pas du tout. Il y a des initiés. Voilà pourquoi, quand vous prenez la tradition juive, par exemple,
avec Noé, par exemple, vous allez constater que dans la généalogie de Noé, vous avez les 10 niveaux de la descente de Noé, les 10 ancêtres de Noé. Mais les 10 ancêtres de Noé, c'est les mêmes noms que les Sephiroth de l'arbre de la vie de la Kabbale. Mais les Juifs le savent, avec les dates qu'ils ont. Oh, il n'a vécu que 50 ans. Ah non, c'est le temps que la conscience fait pour traverser une dimension. Mais est-ce que nous, on s'occupe de ça? Voilà. Voilà, je pense que je m'en... Oui. Parce que je me suis. Halloween, ça ressemble à quoi? Non, mais toute chose dans le monde, toute chose a un sens. Oui. Il y a la question. Ton nom, ça signifie quoi? Mon nom, Nswadi. Il a fait le nom complet. Oh, alors. Alors, mon nom, Nswadi, en Kikongo. Alors, vous avez le soi. Le soi en Kikongo, c'est mordre. Quand on dit à suivre, quoi, à suivre, ou bien mordre, ou, voilà. Et puis, tu as le Adi, la lumière. Donc, soit dit, c'est la conscience qui a mordu la lumière divine. Ben, c'est un nom. Je n'ai pas le même nom que mon père. Nous, quand on revient à d'autres traditions, nous avons des noms qui viennent de maman. Alors, vous voyez, et mon prénom, c'est Kimbazi. Ça veut dire ange, tout simplement. Hein, c'est mon prénom. Donc, Kimbazi, c'est ange, comme un messager. Donc, c'est le messager qui a mordu la lumière. Alors, est-ce de l'hasard? Ben, l'hasard n'existe pas. Mais c'est un nom que tu as reçu lors de ton initiation, mais c'est... Ah non, moi, je suis né avec. Okay. Ouais, mon père... J'ai eu la chance d'être dans une famille où papa est traditionnaliste. Ma maman est tradipraticienne, tradi tradi et tout ça. Donc c'est... Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon... Cassandra va se faire...